Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va pas perdre de temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Premier ministre Joseph Jout intervenu sur question sécurité PIA. Chef gouvernement dit qu'il regrette sa zak assassinat qui fait sous plusieurs policiers dans le cadre d'opération 12 mars. Premier ministre Jout réagit tout sous dossier vite teinté. Au côté informé population, opération de teinté vite qui s'est eu un moyen pour garantir sécurité en d'un pays. A continué pendant les saluer, j'ai fait la police avec chaque citoyen qui a respecté le principe ça. Premier ministre Joseph Jout, puis loin, fait qu'on ait un gouvernement continue de travail pour établir sécurité et stabilité en dans le pays en Syrie. La mort policière n'a pas dû servir à aucune cause politique. La mort, c'est la mort. Il faut que nous tournions côté de l'IA dans respecter la vie. Dans l'heure où on mourit pour ça, chiffonner nous pour ça, secouer nous. Parce que l'on regarde les gens qui mourent, ce n'est pas malade, d'être malade. Si ça n'a pas de moyen, on commence à perdre dans l'essence. Nous, on commence à perdre en pile bagaille. La police, les autorités judiciaires, les journalistes qui représentent le quatrième pouvoir, nous avons pile travail pour nous faire dans la société. Hein. Parce que, selon tout ça que nous avons fait, former, informer, distraire, avait dit, nous sommes obligés de travailler tous sur le changement de comportement au sein de la population haïtienne. Nous avons pris une décision de tête et machine, parce que c'était une dernière mesure que le gouvernement n'a pas pris pour nous réduire considérablement le cas de kidnapping qu'a fait dans le pays. Je remercie la partie saine de la population qui bat même temps que la police parle avec eux. Tout le monde est détenu. Sauf machine qui a droit d'être, c'est machine officielle, corps diplomatique, avec corps consulaire. Et malgré tout, je vois beaucoup de chapeaux par un pile machine officielle tout qui détente. Moi, je bat la donne, je suis entré dans la catégorie, monde qui doit détente parce que je n'ai pas de plaque officielle. C'est moins qu'officiel, ce n'est pas plaque là. Il y a un monde tout dans le corps consulaire qui détente la machine de tout. Il y a un corps diplomatique qui détente tout. Il y a une machine qui n'est pas fine clé. Je comprends ça. Pour les gens qui ont des machines que vous commandez, des machines pépé, il y a là dedans vite qui vient tout être. La police, c'est lui qui connaît qui disposition la prend pour le vérifier. Il y a un pile monde tout qui fâché parce que nous m'a dit d'être machine. Mais je suis désolé. Ou content, population, alors ou fâché, population content ouais ou. Qu'on y a assez pour choisir. Entre fâché, leur fâché. Alors que vite ou clair, je veux dire, population content ouais ou. Sauf que c'est démocrate, la majorité a décidé ou obligé pour bon, ou pas de choix. Des consignes ont été passées à la police nationale, au ministre de la Justice, pour le fait que mesures sont respectées, gens sont supposés respecter sur tout le territoire république. Il faut que nous quittions à côté intérêt personnel. En garder l'intérêt commun, en garder mon pays. C'est seul l'intérêt pays d'Haïti qui doit animer chaque chrétien de bonne volonté. Moi-même, je suis campé là pour moi réaffirmer
détermination, mais ceci jusqu'à la dernière minute que Premier ministre. Pour mes comptes de sécurité, je connais la population la content. Si reste qui implique dans l'insécurité, il n'est pas content. Mais c'est sa forme pas de travail avant. Je travaille avec toute la population, même Jean-Président suppose à l'écoute de la population, pour faire sa population moins défait, moi-même je travaille. Je accompagne la police là pour lutter contre terroristes, contre gangs armés, contre insécurité. L'autre sujet, la police a libéré trois mounes qui étaient kidnappés, saisi 33,333 kg marijuana et puis a arrêté plusieurs présumés bandits. D'après le bilan de travail, la police l'a mené dans divers départements dans le pays. D'après la parole en après police nationale d'Haïti, l'inspecteur divisionnaire Marie-Michel Verrier, travail ça a réalisé dans cadre d'opération PNH la menée pendant les encourager la population à continuer à collaborer avec la police pour permettre de continuer à combattre l'insécurité sur tout le territoire national. L'inspectrice Marie-Michel Verrier renouvelé l'engagement PNH pour continuer à remplir une mission qui s'est protégée à servir la population. Ensuite, l'explication du micro, Mildred Milias, à Michel Joseph. Par rapport à l'information que la police terrible joint et en collaboration avec la justice, dans celui du Sud, il y a une importante saisie de 33,385 kg de paille assimilée à marijuana que la police dérive saisie. Ça dérive faible avec collaboration population. Tout ça qui est pour eux avec les actes de kidnapping qui fait rage pour nous. Sans apport, nous toutes, nous pas capables. Nous avons besoin d'apport toute population. On nous collait ensemble pour nous balancer tout ça. Parce que nous toutes victimes. L'information qui devait joindre la police dans le nord-ouest, devait permettre la police dans le nord-ouest de mettre plusieurs personnes dehors en bas de séquestration de pays. Il y gagné trois personnes qui ont été séquestrés et ont été réclamés en pile d'argent pour être libérés. Par rapport à l'information la police joint, il est intervenu. Il y a Rosier Milouz qui a été libéré, Calister Mthio et Ebens Jean. Trois mouns sa yote libe jouen libération. Ravisseur yo, j'aimerais dire moi, te mandé $200,000 américains pour Milouz, 40,000 pour chaque l'autre moun sa. Pendant libération, otage yo, te gen yon zam qui te rive saisi. Yon arrestation qui te rive fait, c'était yon dame qui t'a pris manger pour moun qui te nommé ravisseur sa yo. Dame Salirele Founa John. DCPJ procédé à interpellation Alphonse Emmanuel pour enlèvement et séquestration contre rançon. N'a pas rappelé, M. Sali même, c'était prof Freli, il était arrangé là avec l'autre monde fait kidnapper. Nous gagnons ces examens qui étaient arrivés fait. C'est BLTS dans l'opération conjointe avec APN Nord qui était arrivé fait saisir ça. La date 11 mars 2021. Nous rappelons que Mounsa, que la police est arrivée à arrêter, qui c'est Droge Benjamin, était déjà arrêté. Peu de temps après, même Droge Benjamin ça vient de douaner en conteneur. Dans le premier conteneur, il y a des jeunes hommes là-dedans. Dans le conteneur, ça vient de redédouaner, il y a des jeunes hommes là-dedans. Et parmi les amis, ils ont été joints 3 fusils et un pistolet. Et 7850 cartouches. Toujours pour le monde qui a fait trafic d'armes et munitions. Nous avons William Ménard qui est arrivé joint interpellation par DCPJ. Et William Ménard qui s'alité la boule, c'est alimenté gang village en munitions. Et il a été procédé à l'arrestation avec en pile munitions la même. DCPJ te déféré encore. Maslin Saint-Fort. Ensemble avec petit garçon et quatre autres bandits. Genyoun parmi bandits sa yo, c'est Renal Joseph, qui est réputé un gros chef de gang.
C'était le 5 novembre 2018, Mounsayo est allé dans le parquet Kwadebouté. Même jour, petit garçon, Mastre Saint-Fort, qui s'est marqué Saint-Fort, est joué à Libération. Une semaine après, Mastre Saint-Fort joue à Libération. Et chef d'accusation, je t'ai arrêté Mounsayo. C'est enlèvement contre rançon, viol, détention d'homme et usurpation de titre, puisque Marcelin Saint-Fort tape marché avec un badge, fait comprendre de ses policiers. Il y a plusieurs avis de recherche qui lancent. Il y a un avis de recherche, c'est sous gang. Il y a l'autre, c'est sous fantôme 509. Il y a l'autre avis de recherche, c'est sous évadé, prison, quoi des bouquets. Pour évader prison quoi des bouquets, la police a cherché activement. Il y a plusieurs là, sous table là, nous capables. C'est des gens qui sont très puissants, qui ont fait un pile de dégâts dans la société. Là. Pour ça qui est pour avec gang, nous avons déjà gagné toutes les informations, nous avons circulé déjà. Pour Fantôme 609, nous avons circulé déjà, nous avons information, nous avons l'autre qui a sorti toujours. Et il y a deux personnes qui ont déjà arrêté déjà. Je nous connais, Abelson Goneg et Raphaël Jean. L'administration Moïse et le gouvernement Joutla a déjà pris toutes les mesures pour accompagner la population pendant un référendum à mouvement élection. Premier ministre Joseph Jout fait qu'on ait des moyens qui mettent à disposition du Conseil électoral provisoire à cette instance qu'il a pour faire travailler Jean Laroi pays a demandé ça. Chef gouvernement a suivi tout le monde référendum à l'élection a privé fête pendant l'année ça. En suivant. Mon opinion, quand on a parlé de référendum, de constitution, d'élection. Élection, période électorale, c'est une période qui est difficile dans la vie de tout le peuple. Dominicains, nous avons un petit problème, nous gérons, nous voyons ce qui passe aux États-Unis l'autre jour, côté nous rentrons dans le Parlement, ça a eu le Capitole là, crasé, brisé. Mais c'est l'élection qui fait ça. Parce que l'élection sur compétition, normal, malheureusement, il y a une violence là-dedans. Et violence, c'est l'État, à travers la police nationale, l'armée d'Haïti, qui peut gérer ça. Nous-mêmes, dans le nouveau gouvernement, nous mettons les moyens qu'il faut à la disposition du CEP, de tout l'autre monde qui est impliqué dans ça, pour faire job yo, selon sa la loi mandée. Je vous dis, non seulement son honneur pour nous-mêmes dans Bâti Haïti, pour nous recevoir un bâtisseur. Un bâtisseur, quel que soit côté, si vous nous dit qui côté il commence à bâtir, mais l'émission ça t'a trop petit, ou bien d'autres et d'autres éditions encore que nous avons quitté pour lui-même. C'est ancien premier ministre Evans Paul. Nous avons recevoir là journaliste là d'abord on a commencé par le commencement et premier type de Michael dans tête une bail gros pied pour ça donc journaliste dramaturge nous connons un débat frais dans un moment côté que titre là seulement pour génération ça qui là qui attendait nous bien qui pas connait qui pas gain chance quoi avoir même leur attendait ou on est dans pays d'Haïti ça dépend de tableau ça dépend de peintre là qui a fait photo et qui a bâti tableau, donc ça dépend de la couleur. Mais cependant, nous-mêmes, encore une fois, à chaque heure que nous rejoignons, je prends un hommage encore d'avoir que premier pas, premier béabam fait dans la radio, c'est vous-même qui mène dans micro, qui fait moi l'aime parler, tout le monde entend de qui côté le sorti. Je tourne l'échelle là-bas, vous-même, venez, je dis, sentir confortable là car on a bâti Haïti donc son œuvre c'est une construction qu'on participe là-dedans. Bienvenue dans bâti Haïti. Merci DG directeur général Radio Télé Guinée Jean-Lucien Borges, nos amis, Jean-Mi d'enfance. Nous font cheminement ensemble et moi très fier, très content les moins gros bâtissements réalisés à travers Radio Télé Guinée
qui c'est un outil national. Et m'a profité saluer tout téléspectateur, tout spectateur, tout auditeur, tout monde qui branché dans pays à tant à l'étranger qui prend le temps de nous en toute humilité, nous pral brasser l'idée pour essayer de comprendre côté nous sorti qui fait nous là et côté nous arriver par rapport à côté nous hier. Alors c'est avec un pile honneur, un pile plaisir, m'en répondre à l'invitation Radio Télé Guinée on l'autre fois en plus et me profiter féliciter toute équipe là. Jean-Lucien Borge, directeur général, la fondateur, qui est côté, ensemble avec madame, infatigable. Toute équipe, technicien qui là, tout journaliste, tout le monde, tout correspondant à travers le pays. Alors, chaque fois que je voyage, plaisir, moi, c'est faire route là avec Radio Télé Guinée. Et disons avec Radio Guinée. Parce que, pas grand pile, station radio, ou qu'a fait route avec lui. Je parle de route, je parle de faire route nationale. Ou prend direction nord, ou prend direction sud. L'aime river l'estem, dit ma pour commencer à pied Gonaïve. Gonaïve, moi, Radio Guinée la pi red. L'aime nan pile beau, moi, Radio Guinée la pi red. Chapeau bas. Je connais ça, mandé en pile ta passion. Moi, suivre tout la passion de M. Borge. C'est pas seulement un monde qui vient chez la palais, son technicien qui adapte à l'évolution technologique de tout ça qui nouveauté. Dans science là, dans science télécommunication, nous fait expérience en Haïti, nous font expérience New York tout. Songez nous à monter Manhattan, nous va regarder dans junk, nous va gagner comme. Nous va regarder côté gagner bail bon marché pour nous coller pieds et Radio Télé Guinée elle commencer non, non baisse mettre New York. Et me dès là pour nous assister pour ça et qui vient implanter dans pays d'Haïti, je dis à qui c'est un patrimoine national qui a une dimension internationale. Compliment. Je vous remercie et je vous retourne dans le même tour parce que ça va un exemple pour la génération qui a venu. Hein, parce que l'un n'a pas parlé comme ça. Donc, nous remonter là, si vous nous avez fait. Alors, je ne vais pas causer, je dis à faire même genre avec Jean-Aubert qui écrit une biographie non autorisée. Donc, d'abord, pour nous dire qui est ce monde qui est Vince Paul. Donc, il y a un travail qui commence à faire déjà. Mais il livre là, déjà dehors sur ces trois éditions. C'est qui est Vince Paul. Donc, génération qui t'a voulu aller plus loin, ou bien Mounio, donc qui quand même qui t'a vous dit qui Mounouye. Et nous avons très. Ou pas, je ne suis pas capable de tête tout. Mais souvent, je suis capable de dire trois générations ça à tout. Parce que nous toujours. Premier l'école là, premier métier, là, et nous jouons non seulement c'est dans le théâtre, c'est là que nous avons dit au moment côté que nous avons débaffré donc avec un langage qui est tout à fait d'acquis, ou pas de capable clair, ou pas de capable, ou pas de dire tout ce que vous à clair, vous avez dit de l'autre façon, pour que vous soyez capable, ou vous encodé, pour que vous soyez capable de décoder. Donc, c'est l'angoisé dans le théâtre et puis en même temps tout comme étant monde tout qui t'apprend pour l'autre mot créole langue créole là dans moment créole là t'as cherché et dans moment démocratie à tout t'as gommé donc nous ça fait nous réellement choisir aujourd'hui là et prendre temps mais prendre temps nous pour nous tendre parce que nous connaissons un monde qui écrit et t'as dit ère démocratique non. Et puis, au monde, on prend. On fait toutes sortes de faits déjà. On ne peut pas rien encore pour faire. Dans le sens côté que, pour ne pas parler, radio, on déconne tout le bail, et on gomme contre le régime. À deux mots, à toute façon, à parole, avec la parole, et qu'on arrive à faire une conscientisation, tout ça, on a parlé. Tout ça, on peut parler, ou tu es ouvert bouche, ou tu es parlé, et puis en même temps, ou t'as fait conscientisation, ou t'as fait nous garder génération qui a venu, ou t'as dit monsieur ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on monde qui prend devant. Comme ça nous commence à paraître dans pas dans 86. Nous comme tout ça avant déjà. 86 nous gon constitution 87 qui sorti ça fait 32 ans. Comment parlez-nous de génération ça dans quel moment que
constitution ça te ou bien qui ça te mené constitution. Bon, d'abord, il faut nous dire qui ça qui yon constitution. Et il y a un gens pour expliquer facilement, pour dire c'est maman loi pays. C'est baptiste pays. Alors, baptiste, il n'y pas correspond à la constitution. Parce que yon baptiste n'a pas changé en cours de route. Et l'homme ou fait, il y a un baptiste, baptiste, ils sont témoignage, ils sont reportages de naissance, il y a l'acte de naissance. Par exemple, baptiste pays, ce n'est pas constitutionnel, l'acte de l'indépendance d'Haïti, nous faisons un Gonaïve, le 1er janvier 1804, c'est lui-même qui baptiste pays, et le pas qu'à changer. Constitution, c'est règlement pays. C'est lui-même qui régler système fonctionnement pays. Règlement est capable d'évoluer avec le temps. Par exemple, je dis, la nouvelle technologie qui n'a pas existé avant, nous obligés à ajuster le règlement pays avec la nouvelle technologie. Et si je même fait référence à la Bible, tu as l'Ancien Testament, tu as le Nouveau Testament. Il fait le Nouveau Testament par rapport à l'évolution de l'humanité. Et bien, la Constitution est dynamique. C'est ça qui fait une bonne discussion sur la Constitution. Et constitution li évolue suivant Jean société a évolué. Pays a été toujours en constitution. Même pendant la période de la dictature, te gon constitution. Et la constitution d'Haïti de 1980 de 1986, ou bien la constitution d'Haïti pendant la période de la dictature, c'est une constitution théoriquement démocratique. Ça veut dire que si ces constitutions ont appelé ou tapoué Haïti son pays démocratique, soit les constitutions qui étaient là pendant la période du Valier, ou après que la liberté d'expression était garantie, la société haïtienne, c'est une société ouverte. D'ailleurs, même la question du Premier ministre, il n'est pas initié dans la constitution 87 là, il est initié vers la fin de Duvalier au cours de la. Du référendum qui était bas à la dernière constitution de 1985. Sous période Duvalier, nous pas jamais arrivé expérimenter Premier ministre là, mais il était là sous Duvalier. Disons théoriquement. Normalement, il y a une différence entre théorie et pratique. Entre ça qui est écrit sous papier, avec ça, tu as droit à faire. C'est dans le cours, il dit que tu as droit à marcher la nuit. Mais si dans le canton, il dit. Gen bon zobob, gen bon champouel, kap ramasse moun la nuit, même si ou pa jan mouel, ou konnen faut faire attention, pas marcher la nuit, même si ou gen liberté en tant que citoyen pour marcher la nuit. C'est même dans la période de dictature, c'est pas constitution que te dit ou pa gen droit parler, ou pa gen droit bay opinion, mais c'est système nan t'organisons jan qui faut konnen faut marcher sous pinga ou. Alors, en 1986, il y a une nouvelle donne politique. Il y a un régime dictatorial qui était là depuis 29 ans, qui était dominé par deux mondes, papa, François Duvalier, le papa Doc, qui était là de 1957 à 1991. Lévin est remplacé par petit garçon là pour le mourir en 1971 et petit garçon après l'obligé de partir quitter le pays en 1986. Deux mounions ensemble fait 29 ans. Papa fait 14 ans, petit l'a fait 15 ans. Mais là, yo t'es obligé de quitter le pays. Nous avons l'autre société, nous venons, ouais, nous relèvons une société démocratique. Pourquoi ça nous dit le démocratique? Parce que avant, c'est une société autocratique. Alors, dictature, c'est la volonté d'une personne. Autocratie, c'est les bagailles là, sans monde qui prend toute décision. Par exemple, je dis à mon parlement, il fonctionne, monde doit faire débat, monde doit d'accord, monde doit pas d'accord. Mais longtemps, c'est le parlement, c'est le j'approuve. Pourquoi ça le j'approuve? Parce que c'est vrai le parlement, en apparence. Mais vote yo téléguidé par le palais national.
avant député voter, il faut le connaître qui ça parlait à penser. Or, c'est le monde à l'envers, puisque Parlement là pour contrôler travail président, travail gouvernement, Parlement pas doué sous coupe régler pouvoir exécutif là. Mais la dictature, je l'ai dit, y a un contrôle systématique sur la totalité des pouvoirs. Cette histoire de philosophie Montesquieu qui parlait de la séparation de pouvoir, le pouvoir être le pouvoir législatif, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire, dans la dictature, pas gain ça. Tout bagaille sous contrôle, yon moun ou bien anti-goup. En 1986, nous dit ça fini. Là, nous fin dit ça fini, hein, son action politique, faut que li justifié par des normes. Et normes fondamentales là, l'irrelé constitution. Yon nan premier acte, Conseil national gouvernement te là, qui était présidé par le général Henri Nanfi pour le poser, c'est convoquer yon assemblée constituante. Pour le convoquer assemblée constituante là, yon te fait yon élection. En pile moun kablie, c'est ton élection. Élection, te gen moun qui te candidat pour yon ka intégrer assemblée constituante là. Il y a des gens qui ont fait campagne. Je me souviens, il y a un là-dedans aussi, M. Renaud Georges, qui était candidat, il était élu. Il y a l'autre monde encore qui est élu pour aller siéger dans l'Assemblée qui va faire la Constitution. Mais le gouvernement a battu en marge de manœuvre. Il était nommé quelques personnes. Il était nommé 20 personnes. Et parmi les gens, il y a un docteur Wa et Outo Wa, qui était un médecin, mais qui était très engagé politiquement. Je me souviens, il y a l'autre monde toujours. De monde yote choisi par rapport à expérience yo, par rapport à formation yo, par rapport à expertise yo, parce que yon constitution c'est pour un jouet. C'est pas comme ça parce qu'on remè pays a qui fait ou capable font constitution. C'est vrai ou gen l'idée ou ta remè mette dans constitution, hein, mais faut que l'idée yo ordonné. C'est ainsi les constitutions en fin écrit, son groupe moun qui écrit, yo dit faut peuple là endosser constitution. Peuple n'a pas gagné pour changer mot là-dedans, pour dire d'accord avec ça, pas d'accord avec ça. C'est apprendre ou à laisser. Référendum, non, c'est pour te dire oui ou d'accord, ou bien non ou pas d'accord. Si tu as une majorité de monde qui te dit non, constitution n'a pas passé. Mais comme la grande majorité te dit oui, c'est ton gros fait pour habiller en blanc. Mais tu as une voix discordante. Moi, j'ai courage pour me reconnaître, moi, j'ai une voix discordante. Pour qui ça ou pas de voter constitution? Pas de voter constitution. Hein? Alors, mais je respecte. Et donc ça qui d'exister en tant que comité unité démocratique. Et nous avons fait campagne contre la constitution. Nous sommes minoritaires. Nous connaissons une étape minoritaire. Mais nous avons eu courage pour nous dire qu'il y a des choses dans la constitution qui va bon. Parce que les SAA, ou qu'on est, effervescence, émotion, bon article qui te fait pile, on est capable de dire, et adepte, c'est l'article 291. À l'époque où on était consentiment anti-Makout, article a dit Makout Paladin. Makout Paladin, là, il était dit que tout le monde qui était servi au régime du Valier, il a fait 10 ans chez ton côté, il n'est pas capable d'occuper fonction politique. Et, bah, ça a été mobilisé pile le monde, parce que quand pile le monde qui était souffré de Makout, c'est vrai. Mais société n'est pas qu'à faire sous. Rancœur. Faut toujours faire la part des choses. Moi-même, moi connais des gens qui ont servi le régime du Valier, qui étaient très méchants, qui étaient mauvais. Moun. Mais tu as un pile bon monde tout. D'ailleurs, si pas de bon monde, tu n'as pas vivant. Tu te connais d'eux. Ça veut dire que ou pas capable de juger un monde pour dire parce que tu es sous tel régime. Faut te juger sous Zach qui t'est posé. Et c'est le premier erreur que nous pourrons le faire. Nous pourrons le faire exclusion par rapport à. Appartenance à un régime politique. Pays a dynamique, pays a continué. Faut citoyen yo te vivre, faut l'administration publique te fonctionner. Dictature a pas campé contre évolution pays a gen des moun qui peut-être pas conviction politique te choisi campé ou un régime. Non, gen moun qui te joué rôle politique. M'a cite ton nom, Daniel Suplice. Daniel Suplice était ami Jean-Claude Duvalier, il était l'école ensemble avec lui, il était directeur immigration, jeune garçon, il était consul au Japon. Après ça, il est entré, il est venu directeur immigration, même songer. Tout opposant que je suis, il était toujours une bonne relation avec Daniel Suplice,
avec Madame Saint-Lô, qui était ministre de l'Éducation nationale. Tu as des gens qui te même avec comment tu Clovis Desinor. Clovis Desinor, tu as reçu moi comme ancien ministre de l'économie. Il était un petit peu prendre distance là Duvalier, mais c'était quand même un potentat du régime des Duvalier. Et si je me donne la vérité, hymne national que nous gagnons aujourd'hui, version créole là, c'est Raymond Moïse qui écrit texte créole là. Ansi de Rose mettait la musique. En pile monde pas qu'on est politiquement qui monde qui concocté lui Clovis Desinor Evans Paul Clovis Desinor du valériste oui. Mais il était en vision quand même pour payer d'ailleurs il était candidat à la présidence et moi même t'es jeune dramaturge Raymond Moïse t'es plus âgé passé moi il vient nous assez souvent pour nous garder phrasio pour nous discuter de yo dans les coulisses parce que à l'époque voilà qu'a permet tout Dieu a écrit hymne national qui t'a droit ou. Mais, tactiquement, texte l'a écrit, et il a choisi une voix très respectée, un grand artiste, Ansi de Rose qui chantait lui, et son fierté chaque matin, il a chanté pour Haïti paysan, il faut que nous marchions maintenant la main. Et ce n'est pas une traduction, c'est une adaptation du texte en français, parce qu'on ne peut pas traduire en langue. Mot à mot. Et là, on prend texte créole là, il vraiment traduit nom, ça que tu écrit en français. Alors, c'est pour me placer la Constitution dans le contexte. Li. En 1986, le sentiment était un sentiment anti-Makout. Et puis, en même temps, anti-président. Anti-président, il veut un président qui a moins de pouvoir. Parce que, on connaît le président de la République, il était président de la République. Chef suprême et effectif des forces armées d'Haïti et des volontaires de la sécurité nationale. Ça te veut dire. Ça te veut dire, le président doit décider, il passe son côté, ou un soldat mal campé, il dit transférer, monsieur moi. Ou bien capitaine, ça le décide, mettez-le à la retraite, ou bien mettez-le à la réforme. Alors, il dit, mettez-le à la retraite. Les gens n'arrivent dans l'âge pour aller dans la retraite, là, alors c'est militaire. Mais à la réforme, c'est leur pourquoi arriver dans l'âge pour aller. À la retraite là, il retire dans la mer son sorte de révocation déguisée. Alors il à la réforme. Il voit que le président a tellement de pouvoir, il dit que faut au moyen freiner le pouvoir président. C'est ainsi que il vient à poste premier ministre là. Et il crée un bagaille dans la constitution que nous-mêmes nous avons contesté dans qui bien bonheur, nous n'avons pas qu'être jeunes nous analyser lui. Il vient faire en pile l'État en dans l'État, dont l'armée d'Haïti. Je dis que le président est chef nominal de l'armée, il ne le commande pas en personne, et que le chef de l'armée, il est censé confirmer par le Sénat, il est là pour 3 ans, et ou pas capable de changer pendant 3 ans, même bagaille pour chef de la police. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut avoir de l'élégance politique, c'est-à-dire, je ne suis pas le président pour me changer en chef de l'armée, parce que je ne suis pas rien, mes figures. Juste pour le plaisir, pour montrer, monsieur chef. Mais si chef là, il n'a pas fait travail, il faut président, en tant que chef de l'État, il y a autorité pour lui dire, mon cher, son soldat, ou pas répondre à la mission, font-il chier ton côté. Dans tous les pays, nous ne sommes pas capables de rendre un chef la police inamovible. Tout le monde connaît position, moi. Quand il y avait une différence entre l'actuel chef de la police et le président de la République, qui est mon ami, nous sommes pour chef la police là, publiquement. Non, publiquement, parce qu'on a toujours fait la part des choses. Cependant, du point de vue structurel, moi, j'ai un désaccord sous question d'un chef militaire ou de police qui est inamovible. Soldat pas capable, inamovible. L'on choisit métier soldat, ou choisit un métier qui est risqué, ou choisit un métier de devoir. Maintenant, c'est conduit tout qui pourra le justifier. Carrière. Mais ce n'est pas une loi sur mesure qui pour faire chita là, et puis laisse ça qu'on est, ou à la prison, président pas bon père, ou on ne va pas respecter le président sous pas vle, puisque le pas une autorité pour prendre des mesures contre nous. Alors, président Préval te dit un bagaille, constitution 87 là, yo fin feli, yo fermé non garde manger, alors grand pile monde qui va connaître ça garde manger. Longtemps, les pas de frigide à la mode dans le coucou
l'on fait manger, reste manger, arrêter, on mettait le petit buffet qui était vite là-dedans, le terrain, le garde manger. Parce que génération qu'on a, quand par contre, ça garde manger, j'avais dit, on côté, on serré manger, manger cuite. Eh bien, je dis, on serré constitue ça dans un garde manger, et puis on voit éclair jeter. Le mécanisme pour amender la constitution est extrêmement compliqué. Nous, il fait un seul amendement en 32 ans d'existence de constitution, mais là encore, il y a une discussion. Et discussion est au chita parce qu'il y a des problèmes fondamentaux depuis dans l'étape fait constitution, il était fait avec trop d'émotion. C'est vrai, nous devons une société moderne, mais nous pas mesurer l'ampleur des contradictions sociologiques qui pourra le faire jusqu'à présent, nous pour qu'on capable d'appliquer la constitution. Comment on comprend nos fonds petites et pour les pas gagner ni maman, ni papa, ni marraine, ni parraine qui pour surveiller lui, qui pour balle direction. L'exemple du Conseil constitutionnel. Première institution que tu dois créer pour veiller constitution, pour veiller si à respecter, si à pas appliquer lui, c'est Conseil constitutionnel là. En 32 ans d'existence de constitution, Conseil constitutionnel, ça a pourquoi jamais existé. Parce que le mécanisme pour mettre en place là, trop compliqué. D'accord, prend un pile exemple qui montrait contradiction. La question de cartel, la question de créer un casier, son bagage très démocratique. Nous faisons conseil d'administration des sections communales. Mais nous tellement démocratiques, nous faisons un parlement tout. Ça quoi le pire de la guerre, mon qui a Kazek, guerre mon qui a Azek qui va me prendre sa barre là. Parce que Azek là lui-même c'est parlement local qui pour surveiller ça qu'Azek là a fait. L'autre jour, mon qui dit mon Azek qui est en prison la caille. Parce que dans le canton côté lié, les mon volo bœuf, ils volo cabrit l'arrêter, ils le fait mais en côté, ils fait opé amende etc. Ce n'est pas dans sa mission. Mais nous avons tradition chef section tout. Oui. Chouquette là osé. Alors, sociologiquement, l'haïtien te respecté l'autorité. Qui ça que te symbole de l'autorité? La moirie. Moi, même te ti moun, l'on paysan, gagne à moirie, les âmes de la République. Non chapeau, même si chapeau a sale, li piate, li gompota l'on chire sous li, c'est chef. L'el dou marche ou ap marche. Ou pas marche devant moun, nan, non? Ou marche parce que ou el gen symbole. Qui s'est amoiri les âmes de la République là, qui était là. Je dis à toute bagaille ça, malheureusement tombé, parce que nous pas fait attention, nous pas formé citoyens. Et citoyens pour former, yo, c'est dans la famille, c'est dans l'école, dans l'église tout. Elle me dit l'église, que l'église protestante, que l'église catholique, que le vaudou. Alors moi, je pense que le débat qu'a fait jeudi a son bon débat sur la question de la constitution. Même pas venir dire ça dans la tête. Moi, je tendais un pile l'autre monde qui parlait. Parce que moi, je suis un monde qui apprend un pile dans ça. Je ne peux pas ignorer l'autre monde qui parlait. Même moi, je ne suis pas d'accord avec. Je tendais un monde comme Milan Maniga, qui sont référence sous question constitution. Il dit que la constitution qui a tellement de problèmes sont l'autre pour nous faire. Je tendais professeur Montferrier d'Orval, qui sont l'autre grande dette, l'autre grand savé dans la constitution. Il dit qu'il faut nous faire une constitution en dehors du Parlement. Entendez Georges Michel, qui lui-même pas d'accord avec le député Jerry Tardieu. Il dit que le député Jerry Tardieu, après le bail, président trois pouvoirs. Il va créer encore un pouvoir présidentiel. Alors que qu'on y a système présidentiel, il faut nous j'en prends distance avec lui. Et moi, je travaille, et député Tardieu fait sur question amendement, parce que son travail qui m'a donné en pile passion, son travail qui m'a donné en pile patience, en pile compétence, en pile effort, en pile recherche, en pile consultation, toujours félicité et en privé et en public, parce que en tant que député Linon Kakan, ça, Mme Maniga dit, ça, professeur Montferrier d'Orval dit, ou bien ça, moi-même, je dit, député Tardieu pas qu'à dire parce qu'il est député. En tant que député, la loi, la constitution permet de faire un amendement. Il est difficile pour le Tardieu de faire un autre bagaille. Mais l'amendement tel que proposé,
par le député Tardieu, il est tellement allé loin, il s'est tiré une nouvelle constitution. Moi, partisan, que nous prenons toute l'idée ça et nous mettons ensemble pour nous faire la meilleure formule pour nous bailler pays à règlement qui est plus bon pour le développement, parce que nous faisons constitution pour qui ça? Pour nous créer meilleures conditions du vivre ensemble. Vivre ensemble, nous voulons dire qui ça? Pour nous respecter l'autre. Pour nous gagner la loi qui pas faire mon abus, mais protéger le droit de monde, qui protéger bien monde, qui protéger la vie monde, qui garantit l'éducation. Mais garantit tout nous faire progrès pour nous manger, pour nous dormir, pour nous gagner caille, pour nous rester. Voilà, pour nous vivre dans la prospérité, pour nous fiers de pays. Nous. Et c'est ça qui débat sous constitution, hein, ou pas capable de faire aucun pays avancer, aucune société avancer, sans de véritables règlements. Je fais référence à une constitution qui est connue, la constitution des États-Unis d'Amérique. La constitution des États-Unis d'Amérique, là, c'est peut-être la seule constitution qui consacre. Ils sont seule constitution. Et puis, tout changement qu'ils ont fait là-dedans, ils ont eu l'amendement. Ils ont eu l'amendement, et c'est ça qui fait force-là. Et premier amendement, deuxième amendement, troisième amendement, mais c'est la même constitution. Quel que soit le changement qu'on fait là-dedans, il y aurait l'amendement, mais à la vérité, le système n'a pas jamais trop bougé. C'est toujours dans la même ligne. En Haïti, moi, je crois qu'il faut faire très attention. Il y a des choses qui sont bonnes dans la constitution 87, il ne faut pas voir au jeter. Il y a des choses qui sont difficiles, capables d'appliquer. Par exemple, cette histoire de cartel de trois membres, toujours bien content de trois membres. Eh bien, on voit ouais, s'il a changé. Le dilemme des députés et des sénateurs, c'est parce que yo là comme pouvoir législatif pour yo faire loi, pour yo bay à orientation administrative pays. Mais moun qui vote yo a bay oppression, faut yo bay au job, faut yo faire pont, faut yo faire l'hôpital, ça vient faire que député a toute la journée l'a marcher dans ministère, l'a chercher comme à droite à gauche, l'a nommé ministre, l'a nommé directeur général, en pile fois yo parler député ou mal à sénateur ou mal pour ça. Mais il faut être dans une situation pour connaître qui pression vous avez derrière qui ça, citoyen, vous avez demandé, vous fait, qui la cause, vous même, vous obligé de répondre à l'exigence citoyen, rentrer dans le champ d'action qui n'est pas forcément champ d'action par vous. Tout ça, c'est des bagailles pour nous qui méritent de corriger, pas seulement dans la Constitution, mais dans le travail d'éducation citoyenne, nous devons faire. Alors là, l'autre question tout par rapport à Mounio qui a demandé élu député ou bien sénateur, ça le fait. Mais est-ce que élu ça a tout, qui ça a été dit Mounio t'a pas le fait? Est-ce que tu connais rôle, est-ce que tu connais fonction, est-ce que tu connais qui ça, qui mission t'a pas rempli? Parce que mandat quand même, c'est le mandat t'es à baouli ou même faut qui mission, qui sont t'a pas le fait? Qui m'en doit avoir rempli? Nous sommes société en crise. Pardon. Et la crise, c'est une crise qui a perduré, qui maintient tout compartiment sociétaire. Nous sommes société qui parle à demi-mot. Gagne des fois, ça nous voulait dire, il va nous dire. On me demande comment nous y est. Nous disons pas plus mal. Bon, ça veut dire pas plus mal. C'est comme si je me disais, l'objectif là c'est pour nous être mal, mais nous pas plus mal. Il faut entrer dans un haïtien pour comprendre les la parler. En pile fois tout, yo vend moun yo marchandise y a tonne. Marchandise yo souhaité, pas forcément marchandise yo besoin. Ou pas j'en m'entende, yon machan de pain dit la vente pain rassi. Même si goun moun ki ta besoin pain rassi pour le faire soupe, mais machan de pain a toujours dit c'est pain frais. Candidat pour député et sénateur, konnen moun yo nan canton yon besoin l'hôpital. Yon besoin route, yon besoin l'école, yon besoin travail. Li ba yon diskou yon tann. Moun yo même pas gen assez de préparation pour yo konnen ses paroles député ni le pa gen moyen bay li comme ses paroles ça le te vle tande et ben li ramasse l
Et c'est dans la vie courante aussi. Sous rencontrer un petit jeune gens honnête, rencontrer un demoiselle, il dit, moi j'aime, mais je ne passe pas dans la famille riche. J'ai une bonne volonté, je vais vivre bien avec vous, même pas gagner l'âge. Je vais faire effort, je vais respecter vous. Il a réfléchi, puis il a répondu. Mais si on est prêt ton machine, il faut chelbe. Pour les parties de ces demoiselles-là, vous n'êtes capable ni parents ni ces demoiselles-là, ballon meilleur accueil. Pourtant, son menteur. Maintenant, ça dépend de qui préparation société. Il y a une crise nous gagnons dans le pays. Hein? Son crise de formation idéologique. Et crise formation idéologique, là, il peut laguer nous dérive patriotique. Nous n'avons pas de patriotes encore dans le pays. Les gens qui remet le pays et qui prêtent pour mourir pour lui. Ce n'est pas au hasard. Les gens qui ont écrit l'hymne national, là, ils disent mourir est beau. Ils disent mourir sont bons bagages. Mais mourir sont bons bagages, leur mourir pour une bonne cause. Leur mourir pour défendre le pays où Jean Capoua la mort est fait dans le vêtier. Il n'est pas mourir, mais il montre le pas de paix en mort pour défendre la cause de liberté. Eh bien, je dis, nous partisans de la vie facile. Et je dis toujours, jeune, la facilité est dangereuse. Tout ce qu'on trop facilement, pose des questions. Pour voir s'il n'y a pas de conséquences qui sont extrêmement graves. Alors, faire constitution, ce n'est pas lui-même qui fait en soi. C'est qui modèle société nous voulons et qui effort nous pourrons faire pour nous former citoyens. Parce que si on fait constitution, on lit nos papiers. Citoyens n'ont pas qu'on allié, tout en me dit nul n'est censé ignorer la loi. Mais pour quelle que soit situation où on trouve, l'objet de avocat pour le défendre, il ne va pas qu'on a rien. Il va qu'on la loi, il va qu'on qui doit, il va qu'on devoir. Il dit qu'il y a un droit, il y a un devoir. Bon, il ne va pas apprendre qu'on est ça, qu'il doit, ça, qu'il devoir. L'entente des gains, instruction civique et morale qui presque disparaît. Moi-même, m'a profité de dire qu'il y a trois côtés pour nous former citoyens. D'abord, une famille. Si papa a été formé, maman a été formée, elle a formé petite li pour l'homme bon citoyen. Dans l'école, mais dans l'église, je pense que l'église n'a pas qu'à préparer les gens seulement pour nommer, pour répondre à nommer. Il faut tenir compte de corps. Quand il reste là, il mérite un encadrement, il mérite un matériau, parce que il dit que le corps est tombé, bon Dieu, il faut manger, il faut intellectuellement, moralement, spirituellement, patriotiquement, idéologiquement, li solide. Et c'est ça qui fait un bon pays. Nous pas cap gen pays sans citoyens. Problème pays a, c'est crise citoyen, c'est pas crise moun, gon différence entre moun et citoyen. Nous gen droit moun, mais nous pas citoyen. D'ailleurs, dans la constitution pays a, yo fait référence à citoyen plusieurs fois. Pas gon côté citoyen défini. Non, citoyen pas défini. Nous fait référence à l'État. Bon, c'est-à-dire, si vous parlez dans le dictionnaire, vous parlez dans là, ou vous parlez dans le petit Robert, vous avez une définition citoyen. Si vous parlez dans tout ça, gros sociologue politique écrit, vous avez une définition citoyen. Mais du point de vue haïtien, ça veut dire un citoyen, il faut l'écrire dans la Constitution. Ça veut dire un pays, il faut l'écrire dans la Constitution. Ça veut dire l'État. Ce n'est pas nous créer l'État, non. Maintenant, règlement pays, l'en fait référence à l'État, il faut que citoyen cap li constitution. S'il pas li gros philosophe, gros sociologue qui définit l'État, il faut jouer une définition de l'État dans la constitution. Et tout faire recommandation ça à moun qui pourra le gagner pour nous bailler pays en nouvelle constitution, gagner des concepts fondamentaux. Nation, pays, l'État, citoyen, faut que nous définissions du point de vue haïtien. Bah, dit du point de vue de la sociologie universelle. Bon, nous censés n'apprendre un peu tout dans ce dio et si nous d'abord aller dans tac au tac, c'est campé, nous pé pour nous tendre une impression. Merci. Ni téléspectateurs autour, ni alors téléspectatrices autour et ni auditeurs auditrices. Yo tendé apprendre et nous capable dire c'est un son histoire vivante, nous, même, c'est le présent même, c'est pas le passé, c'est alors le passé présent. Donc, par rapport à
87, constitution ça, je ne le dis moi-même, m'a remonté à. M'dan, mais il était en dedans, 86, 87, pour nous faire ce vol-là, pour nous garder, pour nous acteurs. Acteurs, ça, qui étaient là, parmi lesquels, ou même qui là, et c'est nous toujours qui toujours acteurs. Donc, Jean Constitution 87 la vine vini, bon, alors, on le règlement ça, pour nous, nouveau contrat ça, contrat social ça, qui était passé en 87 là, acteurs toujours là, et acteurs, entre eux-mêmes, nous avons dit, bataille a commencé. Et depuis même avant, même bataille qui sortit contre Duvalier, après 86 ça, est-ce que c'est Ligue Jean Béthou, après 87, après la constitution, ça a été défini Météa. Et essayez d'expliquer nos acteurs, gardez acteurs. Au même temps, tu es là dans tout, victime là dedans, en même temps, vous avez gardé acteurs. Et vous venez avec tout comme étant un pigo symbole, pardon, qui était, qui là, et qui est avec nous. Et que après, même vous, ou bah ou l'en ou croisez, ou comprenez. Donc, mettez-nous même, génération ça, monde qui attendait nous. Parce que les gens là, vous avez même si vous avez 42 ans, c'est 10 ans de gain, tout ça n'a pas lieu là. Essayez de mettre, faire entrer dans le programme 26 là avec eux, pour acteurs, qui nous, après une fine mouvement, mais une grosse bataille comme ça, et puis bataille là qu'on y a là, ils viennent tomber dans le plan, mais nous ne pouvons pas même penser si nous sommes président, nous avons la constitution, mettez tout le monde, et puis bataille a commencé. Je prends le bagaille là, et qui est capable de choquer les gens. En 1986, nous pouvons comparer pour nous voir une dictature aller. Nous ne pouvons pas vouloir une dictature. Et nous avons une raison pour ne pas vouloir. Même bien dit, nous ne pouvons pas parler pour nous voir aller. Nous sommes capables de faire des accords avec nos bagailles. Nous pouvons comparer pour nous voir aller. Nous ne pouvons pas entrer dans la conjoncture. Nous pouvons faire une parenthèse sur le grand pile mouvement qui fait pour voir le président Jovenel Moïse aller. Mais les gens qui veulent aller, pourquoi pas pour vous aller? Parce que ce n'est pas parce que vous voulez vous aller qu'il faut que vous aller, non? Il faut parler pour faire, il faut réunir les conditions pour faire. En 1926, nous pas de Paris. Et moi-même, j'étais un acteur. Et dans le moment où nous avons un régime faibli, nous commençons à faire consultation pour nous jouer une meilleure formule de remplacement, régime n'a tombé. Je pense que c'est une anticipation qui fait, soit par des duvaléristes, parce que jusqu'à présent, il y a une petite histoire que je n'ai pas maîtrisée, il y a des duvaléristes, et ils ont dit, Alexis Neyas, etc., qui était à un moment déterminé, où elle a pourri, et qui t'a encouragé Duvalier à aller. Il y a l'autre information qui dit que l'internationalité ou bagaille la pourri la dégénéré, ils ont encouragé Duvalier à aller. Et ça a tellement semblé, une semaine avant le départ de Jean-Claude Duvalier, le 31 janvier 1986, ils ont annoncé l'aller à l'autre bout de quoi aller. Et ce n'est pas n'importe qui qui a annoncé l'aller, non? C'est porte-parole président Reagan, Larry Spinks, qui déclarait dans un avion présidentiel US One, que dictateur pays d'Haïti, Jean-Claude Duvalier, allez, peuple haïtien, prends la rue, yo content, ben t'es prudent. Et le Sahara, vous avez dit, Jean-Claude Duvalier, pour aller prendre la rue, il va le comparer tête lui à 11 animaux. Ok, macaque, il reste. Ça fait deuxième fois, il te comparer tête là avec animaux. Pour le montrer que le pas aller, il prend la rue pour dire que président Lapirède, président Red, conquer macaque. Alors, là, je me dis le comparé tête. Je me dis ça déjà. Le comparé tête là, j'en ai mis deux fois. La première fois, c'était en 1973, c'était un kidnapping d'un ambassadeur américain qui était le Knox Clinton. Ambassadeur américain, ça, c'était un des révolutionnaires haïtiens qui était pris en ligne. Ils ont kidnappé monsieur pour exiger Duvalier libérer des prisonniers politiques. Et là, ça a été gagné un ambassadeur français, qui était le Bernard Lorrain, qui était fait une médiation pour être largué ambassadeur. En même temps, largué prisonnier, on mettait un avion pour aller au Mexique. Ça a passé deux ans après François Duvalier aller.
t'es mouri, pardon, comme tout le monde t'es père François, pour Jean-Claude Dimoun, que c'est même François qui l'a toujours, il t'a déclaré petit tigre, c'est tigre. Alors, et c'est l'histoire pour montrer comment très souvent on a dit de bagaille, et bien on a dit, il fait nous paraître laide. À aucun moment, un homme politique, un président de la République, pas qu'à comparer tête-là, à un bête sauvage. Et puis devant, nous pourrons continuer à faire comparer tête noire avec bête sauvage là, nous pourrons créer un corps, nous voulons le corps de Léopard. Et quand Léopard ça, il va illustrer dans un groupe qui était débarqué dans la tortue, côté de gain anciens amis, moi, Richard Brisson, qui est ton camarade dans Radio Haïti, qui va mourir dans Baïsa, Bernard Sansari qui va venir sénateur par la suite, tu dis que tu es leader mouvement. Mando Chalma, ils font chanter qui dit si vous n'avez pas de tibri en cours la clôture, Léopard prend courir. Alors, ça, c'est la poésie. Mais son poésie historique qui est très moyen. Alors, tout ça montre zigzag nous fait dans l'histoire. Très souvent, il y a une besoin de faire l'autre peur. Il y a une besoin de faire l'autre peur pour rien. Alors, je pense que, afin de faire mon peur, il faut nous suspendre ça. Que c'était avant, que c'était Kounian Bagé pour nous faire mon peur, c'est pour nous parler entre nous, nous pas en animaux, c'est mon nouillé, c'est pour nous goumer. Pour nous, avec l'idée, pas pour nous goûter avec violence, donc à toujours goûter avec l'idée, pour nous une meilleure formule pour nous faire pays avancer. Comme on a parlé de constitution, nous avons été en 87 là. 87 là. Nous avons été en 87 là, nous avons vu la constitution parce que nous avons temps. Et si nous avons pris autant de temps que nous avons besoin. Donc là, alors, pour nous dire ça, ou un fond de souris, je vais regarder même quand je dis nos compagnies, tête noires, animaux, petit tigre, c'est tigre. Mais pita tout, l'en commence en 90. Coque qualité. Oui. Nous voyons un coque là, donc coque là. Coque là, c'est un animal tout. Coque là, c'est un animal. Mais un animal, coque là, c'est un autre symbole. C'était un symbole de combativité. Même Jean, nous gagnons un symbole. Dans qui là, qui c'est cheval là. Même Jean, les États-Unis, ont un symbole qui c'est aigle là. Les animaux, ce n'est pas que ils sont mauvais, non. Ça dépend dans quel contexte que qu'on utilise. Par exemple, un chat. Il y a des gens qui volent tant que chat. Tant que chat là sont mauvais bagailles. Pourtant, il y a des gens qui ne peuvent pas vivre sans un chat. Chaque là sont des amis fidèles. Un chien, c'est la même chose. Alors, se comparer avec l'animal pour comporter autant que les animaux, ce n'est pas bon. Mais, utiliser symbole yon animaux qui capable bailler une directive parce que un cheval c'est quoi toute bataille indépendance là fait sous deux choix là on dit choix bataille c'est un animal de combat jusqu'à présent manger cap vinn nan marché cap saute nan mon côté motocyclette pas arriver côté machine camion pas arriver c'est sous deux choix sous deux mourir sous deux bourriques, sous deux millettes, ils ont passé. Qui fait le symbole de coq qualité. Ils ont coq qualité, son coq de combat, son coq vaillant. Nous connaissons, il y a un gros espace de distraction nous gagnons dans la paysannerie. C'est Gaguerre. Et Gaguerre là, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec Gaguerre là. Par exemple, il y a des pays qui gagnent des régimes, un pays tant que Cuba, je pense à un moment déterminé, quoi que les Cubains te gagnent, mais battre quoi qu'en pile, ils ont dit, gens, camper sous battre quoi là, parce qu'ils ont dit, on va faire bête la goumé contre volonté. Ça, c'est des considérations morales, philosophiques, sociologiques, idéologiques. Mais dans la tradition, pas nous, quoi qualité a, ils te répondent à un moment. Parce que nous avons besoin de quoi qualité, qui pourrait permettre nous mener un combat pour nous sortir dans l'ambiance, nous sommes capables de dire que macaque là. Parce que macaque là. C'est ton parenthèse. C'est une sorte de résilience, de résistance. C'est comme si Mdadou, dictature, pas là, mais la pire raide. D'autant plus, en parlant de la dictature, le 7 février 1986, Duvalier a remplacé Duvalier. Et ça fait me dire, nous pouvons comparer pour le nouveau régime. Okay. C'est Jean-Claude Duvalier lui-même qui fait un discours, qui dit que je décide d'aller parce que je ne vais pas trop sans couler, et que je quitte Mounsayo pour remplacer moi. Tu as gagné
5 personnes qui réputaient du Valéris, parmi eux 5 militaires, 4 militaires en civil, Alexinéa c'est 4 autres militaires, et la seule personne qui était du secteur démocratique, nous saluons, c'est Maître Girard Groux qui était dans le combat pour la démocratie et droits humains, etc. Alors, nous faisons parenthèse et historique tout, et côté que il y a des éléments sociologiques tels que l'utilisation de symboles, que ces symboles choual, que ces symboles table. Non, et un symbole est ton symbole. Un symbole est ton symbole. C'est pour nous défaire. Bien sûr, bien sûr. On doit parler de l'animal. Il y a un important sur lui. Il est bien bon ou mentionner la question un coq là. Moi, je suis sûr que si vous ne faites pas le réseau social, vous allez le faire. Alors, on nous tourne là parce que vous êtes nommé non, professeur Gérard Goug. Alors, bon mettre sujet ça. Première manifestation, nous avons dit, après Constitution, malgré qu'on allé à contre-courant. Oui. Jusqu'à présent, beaucoup connaissent, bon, 32 ans. Ou senti à la contre-courant par rapport à tout copain politique. L'homme dit copain politique, on est supporté, on est caché avant, qui courit, nous tout privé pour nous sortir, tout parti politique. Comment ça paraît, c'est 86, c'est là, bon, nous gagnons en avancé. Alors que vous-même, ou à la contre-courant, bien qu'on te dit, c'est peut-être ou t'es, mais est-ce que c'est ça seulement? Ou d'être deux articles ça qui te mettent dans la position, ça on te senti que constitution 4 là pas de fin. Non, on t'a pensé le bail problème et comme de fait le bail problème. Yon nan côté le bail problème, c'est en 1991 et m'était au centre des discussions. Après le coup d'état de 1991, toute la communauté internationale reconnaît la présidence de Jean-Bertrand Aristide. Malgré le temps d'exil, d'abord au Venezuela, ensuite aux États-Unis, à Washington, il reconnaît lui comme le président constitutionnel d'Haïti, même si il était en dehors du pays. Même j'ai été reconnaître moi comme magistrat à votre prince, même si je me suis caché. Bon, mais ça c'est l'histoire. Et ça qui va le passer, général Cédras, général de l'armée, nommé par le président Aristide, parce qu'il était colonel au cours de la campagne électorale, dès qu'on était ensemble avec lui, il a été choisi par rapport à son profil. Il a été fait le passer comme un militaire correct, qui n'est pas tortionnaire, qui était directeur académie. C'est un nègre très sage, à la limite très timide. Général Silvas, on va te gagner pour te reprocher carrière comme militaire. Et ça fait que la personne indiquée pour te mettre chef de l'armée. Maintenant, Sénat est en ratifié comme et général de l'armée, et le président Aristide pas de provision constitutionnelle pour le révoquer. Nous songeons et nous participons à une réunion au Venezuela avec le président Aristide et le président Carlos Andrés Pérez, qui était le président du Venezuela, qui a invité quelques personnalités haïtiennes, Serge Gilles-Tella, Victor Benoît, Tuneb Delpé et René Théodore. Nous étions plusieurs qui était nos rencontres à chercher solution, Mac Bazin. Et puis, solution, le président Venezuela a dit, moi-même, je suis paré pour recevoir le général Cédras comme ambassadeur. En façon, ça s'appelle exil doré. Exil doré, c'est le bon job ambassadeur, mais en la vérité, c'est pour retirer au souterrain. Comme loin. Oui, mais pour retirer l'ambassadeur, il faut le d'accord pas chef la mer. C'est volontairement pour le d'accord d'y désister. C'est ça qui est terrible là. C'est volontairement. Et dans cette parenthèse historique, en plus, il faut parler de gros de pitié. Et m'a dit que les États-Unis, pas qu'arriver convaincre si l'armée pays d'Haïti a fait bac sur coup d'État. C'est pour question de bluff. Il y a des gens qui pensent que tu as confié l'eau. Peut-être que tu as gagné de petits contacts privilégiés avec CIA, avec Pentagone. Mais le gouvernement des États-Unis pas d'accord à coup d'État et te voulait mettre fin à coup d'État et puis l'armée a résisté. Son bagage simple. Bon, petit petit en coup, nous voulons la guerre bombe sur nous. Yo connaît moralement les États-Unis pas la guerre bombe sur nous. Mais nous parlons pour humiliation. Nous parlons pour humiliation. Le 19 septembre 1994,
on dit là parce que couvre les gens bien en 94 là parce que ça me dé besoin il y a fait un signe bonne pour une pause même dans mes boulet et 80 yo de 89 là par exemple première manifestation nous c'était Gérard Goug qui était candidat au pat là au pat dans élection ça élection 29 novembre parce que pas d'accord avec Jean Tassia malgré toute popularité ça tout copain tout monde net est-ce qu'il passait bien on avait une vision pas de désarmement que tu fait ba yom te ba une image simple nous pas comment de monter terrain à jouer match équipe en face là gain crampon vissé moi pied à terre et là ça ne te fait référence à tonton Makoutchou qui était armé et puis secteur démocratique là sans armes et comme de fait pour le grand massacre qui va le fait le 29 novembre 1987 On pose, n'a tourné à 29 novembre 1987, et puis après ça, n'a j'en bien année 90 jusqu'à 2019. N'a parlé avec ancien premier ministre Evans Paul, Capé, et n'a parlé de constitution, n'a parlé de histoire, nous, histoire vivante, mais son passé présent ou bon présent passé. Nous, très contents d'avoir une émission Bâti Haïti et n'a bâti Haïti avec un bâtisseur. L'on dit ça, c'est pas un monde que nous mettons dans le chantier, mais c'est un monde qui grandit dans le chantier et qui la donne tout, qui vive la donne et qui fait carré tout, et en même temps tout, qui a demandé nous-mêmes tout, génération qui bénéficie de travail, de jeunesse, pour vieillesse, tout, pour assurer vieillesse. C'est ça, il est bâti Haïti pour quitter une génération, non seulement pour un pays, non seulement pour une génération qui a venir, mais pour ça qui peut aller à tout, parce que nous ne pouvons pas venir, mais cependant, on nous sommes pour nous faire, on essaie de faire, on ne pas gommer avec temps. Mais on allait, on mettait toute bonne vibration la caille nous et pour nous quand même reprendre nous, pour nous prêter mot ça, pour nous arriver à vivre ensemble. Vivre ensemble. Vivre ensemble est essentiel, vivre ensemble est indispensable. Et vivre ensemble, c'est la vie. Vivre ensemble, c'est la création. Et nous avons développé le concept vivre ensemble de plus en plus. Et nous avons fait une division, on différence entre des espaces publics du vivre ensemble et des espaces communs du vivre ensemble. Par exemple, Radio Guinée sont espaces communs du vivre ensemble. Pourquoi? Sans propriété privée. Mais nous utilisons l'opinion, l'autre monde qui a l'opinion, le monde qui vient là demain après-midi, démonter tout ça, me dit, c'est le vivre ensemble. Nous sommes capables de désaccord. Mais nous venons chita dans la même Radio Guinée pour nous exprimer des accords. Au contraire, Radio Guinée, ben nous opportunité pour nous exprimer des accords et nous chaque café adepte, ou bien nous sommes capables de faire un pas vers l'autre, nous allons corriger, chaque monde corrige mon son dans le jusqu'à ce que nous venions un consensus là. L'espace commun du vivre ensemble, c'est la maison familiale. Et réfrigérateur côté nous mettre manger pour la famille. Ce sont des espaces communs du vivre ensemble. Mais la rue, la place publique, c'est l'espace public du vivre ensemble. Ou pas qu'on doit prendre la rue, ou mettre une machine en quoi la donner, ou la guéfatra jongler. Espace, ça, c'est pour nous tous liés. Il n'est pas pour vous seul. Et le vivre ensemble, il englobe plusieurs, on est capable de dire, aspects dans la vie. Très souvent, dans des mondes qui prêchent l'évangile. Mais son bon bagage prêcher l'évangile. Mais est-ce que parce qu'on a prêché l'évangile, ou qu'à lever à 4 du matin, on met porte-voix ou dans la fenêtre du monde pour dire. Il faut l'accepter Christ comme sauveur personnel. Peut-être que c'est ton pasteur qui te fait nuit, la veille de nuit, qui a besoin de faire un petit dormi. Ils sont infirmières qui font le travail, qui font le service dans l'hôpital. Ils sont ingénieurs qui sont son chantier toute la nuit. Ils sont journalistes dans Télé-Guinée qui font nuit le travail, qui vont le lever demain matin pour le commencer le travail encore. Ou réveiller-les parce qu'on parle les paroles Christ. Ce n'est pas le vivre ensemble. Ou on doit parler les paroles Christ là, c'est droit. C'est même devoir pour faire. Mais il faut respecter le sommeil de l'autre là. C'est ça le concept doit par là commencer côté Pam Nanfin. Qui veut vivre ensemble, c'est toute une philosophie d'abnégation, d'humilité, de sagesse
de partage, de solidarité, de compréhension et de respect. Ça, c'est coordonnateur général. C'est Vive qui se sent de vivre ensemble. Nous allons parler de l'ancien Premier ministre Evans Paul. Et plus par rapport à tout titre, par rapport, je ne veux dire à Napkinbill, comme étant en allant la Constitution toujours, dans un monde qui t'a mené rêve, qui t'a fait génération, qui est 32 ans de ça, t'es arrivé, t'es connu, t'es fini à problème ça. T'es fini avec tout problème, monde pas respecté, monde, problème, yo t'es capable de dire ça, vous voulez, yo pas de cas, dire ça, vous voulez, yo pas de cas parler, yo, ben, problème Constitution qui est ton nouveau contrat, côté que tout le monde t'es senti, t'es coupé à habitude que vous avez dans passé ou bien force j'ai été qu'on vive dans passé par rapport alors le pas du système démocratique tu as changé système en tourner dans 89 là avant que une janvier dans 90 89 là on connaît que élection on t'a préparé tout qu'on a préparé pour aller à l'élection comme on fait qu'on est comme on se dit nous si on apprend dans sorti nous pas préparé pour ça mais arrivé nous obligé prendre mais ou même ou t'es gon recul ou bien est-ce que c'est expérience ou bien maturité et de ça que tu le a parlé par exemple de anciens ancêtres nous qui ou tu es fraîche ou bien mal que tu es fraîche sur par rapport à martyr que tu fin passé et courir prison etc. donc qui t'es venu fort senti coup de fouet là t'es mal fait là t'es dans d'autres toujours qui fait côté peur monsieur yo, pour t'avancer comme ça c'est pas de ça seulement c'était recul et quitte là c'était une diversité de monde de tout niveau de formation. Jean-Paul Duperval, qui c'est un pigou agronome PIA, Henri-Claude Innocent, et Leclerc Chanson, et c'est tout Jean-Claude Chérubin, c'est une équipe monde, Fred Coriolan, qui mourit 26 avril dans Fort Dimanche. Nous t'es impliqué dans la bataille politique là. Mais nous pas ouais bataille politique là comme on côté pour nous faire vengeance pour nous tuer monde pour nous tuer du Valéris ou bien pour nous prendre pouvoir pour nous venir chef pour nous venir riche c'était pas ça c'est ça qui fait nous tirer les bagailles là comité unité démocratique unité pour nous faire démocratie et unité pour nous faire démocratie alimenter tout un recul une philosophie une réflexion un apprentissage et puis de temps en temps nous ouais une exagération et m'a prend une figure. Moi, je fais 27 jours sans manger. L'homme dans la prison, n'a fait prisonnier la Toussaint, sous un général Prosper Avril, nous fait une grève de la faim. Nous étions Jean-Auguste Mézieux, Marino Etienne, nous avons arrêté Patrick Beauchat par la suite, il est mort récemment, ça lui mémoire, Patrick Beauchat. Et nous entrons dans la grève de la faim. 27 jours sans manger, ce n'est pas facile. Non? Mais on peut gérer l'esprit, nous boire de l'eau, bien sûr. Moi, en particulier. Eh bien, l'autre avait commencé à manger à son apprentissage lié. Ou pas qu'à manger trop. Pour qui ça me prend exemple ça? Là, nous sortis dans la crise de. Ou bien dans l'interdiction d'expression libre. Nous venons tomber dans ça, généralement, firé les bamboches démocratiques. Nous venons sortir dans grand goût la parole et nous venons tomber dans diarrhée la parole. Nous tellement manger trop. C'est-à-dire que nous disons trop de bagailles. Je dis à mon dit ça, vous voulez, mon attaque est mon, mon parle n'importe qui parole, mon ne parle ça, le pas qu'on est. Là, je me tends un leader politique, oui. Cap dit nous besoin une constitution qui pour permettre peuple à gagner comme dans poche li. Ou pas qu'a dit peuple là bas comme ça. Peuple haïtien constitution pas qu'a mettre comme dans poche, c'est pas vrai. Une constitution qui a créé conditions qui capable faire pays à gagner la paix, gagner stabilité ou pour le travail, ou pour le faire, ou pour l'éduquer, ou pour apprendre métier pour gagner comme. Mais quelle que soit constitution nous écrit, il pas qu'a battre tout le monde comme dans poche. C'est une mauvaise façon de dire. Peut-être constitution a conduit à faire comme là, oui. Mais ces conditions pays, les règlements pays a marché bien. Ça capable faire mon vie investir dans pays. Mais j'ai entendu là, c'est comme si m'dadou, bon constitution qu'a écrit là demain matin,
les constitutions afin d'adopter tout le monde a bien compris dans le prochain. Je pense que c'est une exagération. C'est pas pour longtemps. Tout le monde était comme ça, tout grand monde avec un pile de déférence. Bonjour tonton, bonjour matin. Même si le monde n'a pas famille, depuis le plus grand passé, lycée maman, lycée tonton, lycée matin. Mais je dis, hein, si mon nom grand mon apparaît sous lui, ou bien papa l'apparaît, maman l'apparaît, hi! C'est une influence, l'éducation a bien changé. Si mon a dit, maman, nous, papa, hi! Que ça veut dire? Vous faites pour saluer parents avec respect. Avec... Et c'est ça qui forme aux citoyens tout. Un président de la République, côté d'accord avec lui, ou pas d'accord avec lui, ou pas capable saluer avec respect, ou pas capable traiter avec respect. Moi-même, dans l'opposition, je ne suis pas président, parce qu'il y a des gens qui vous disent que je manque de dégâts. Je respecte les gens d'abord. Je respecte l'autorité ensuite. Je m'exprime des accords à acte posé. Il fonctionne. Oui, je respecte les fonctions. Oui, oui, oui. Vous comprenez? Alors, tout ça entraîne dans la dynamique 86 là. Nous venons entrer dans bamboche, c'est général dans ficter le conseil et moi c'est ça le dit à TV. Nous pas gain sens de la mesure, n'attaquer moun, nous bouler bagaille, nous craser. Nous dit ça pas de bon. Par exemple, tu as un local VSN qui était dans rue Monseigneur Guillou. Bon, il y a l'air de choukil. Bon, ma coûte la parle encore. Qui était local là? Local là c'est à quoi pays a été fait. Nous t'as besoin local là pour faire l'autre bagaille. Bon, comme de fait c'est carcasse locale là qui pourrait le tourner et faculté et école normale. École normale. Nous pas besoin craser yo. Bon même l'ordre du monde ça compte au Caraïbe il te fait exemple comme ça à la mode gounia. Mais on pas besoin craser, on besoin bouler pour ça. Au contraire, l'a servi pays. Alors on pense que c'est le sens de la mesure, tout le monde se juge, tout le monde décide, l'attaque au monde là, il dit monde c'est volé, monde c'est volé vrai. Ou bien radio, moun nan kanpe l di yon bagay nan radio, si l di l nan radio, c'est la vérité. Mais c'est pas vrai, radio son moun kap pale la dan. Et me pense que gen radio qui font pile effort, par exemple Radio Guinée, qui font gros effort d'éducation, et me pense que masse média yo, et même pour aller jusqu'à 10, à 8h du matin, toute radio, toute télévision, gen obligation, pour passer l'hymne national là, c'est comme ça pour tout le monde apprendre. Et pour tout le monde, quel que soit côtoyé, depuis qu'on drapeau cap monté, monsieur devant l'école, ou immobilisé pour saluer le drapeau. Mais à 8h du matin, tout, il faut que 5 minutes qu'on parle en parole pays. Dernièrement, moi, le ministère de la Santé publique a parlé d'un médicament dangereux. C'est vrai, nous avons plus de radio qu'on a des nouvelles, mais nous plus de confusion. Tout. Tellement de nouvelles qu'on a dans pile nouvelle moun pa tande parce que va un côté pour aller chercher nouvelle là faut nous gens organiser pays là qui pour faire nous former citoyens yo former citoyens veut dire citoyens informés citoyens avisés citoyens préparés pour les jouer rôle. Alors 1487 te grand pile émotion émotion ça a été une affaire de moun krasé moun pa vle wè moun ma coûte pas bon. En même temps, nous faisons un bon bout de parti politique jusqu'à présent par la campagne. En 1987, là, tu es un pile leader potentiel et tu es capable de tout porter revendication au peuple. Il y a un monde qui n'a pas oublié, c'est Silvio Claude. Pasteur Silvio Claude qui est un martyr, qui prend un pile risque. Bon, normalement, tu es une société démocratique. Tu n'es pas capable de dire c'est Silvio Claude seulement. Mais Silvio Claude tout, et Silvio Claude surtout, nous avons M. Grégoire Eugène qui était bravé danger, lui-même qui était joué à système, non, qui était allé en exil, qui retournait sous le régime du Valier, qui bravé danger exil là, M. Gérard Gourgue, qui était fait un gros aura, qui était Mac Bazin, qui était Louis Desjoies, qui était pour héritage papa, Louis Desjoies père, qui était pile monde, Hubert de Ronceret, qui était là. Professeur Maniga, Leslie Maniga, et tu as gagné le dirigeant du MOP à l'époque, Philippe... Gérard Philippe Auguste. Tu es un pilote monde qui était potentiel. Alors là, on pourrait avoir un problème entre les gens qui étaient souterrains et les gens qui étaient sortis en exil. Et puis pour avoir une petite confrontation, pour comprendre là-dedans, nous pas arriver à monter en force. C'est moi qui t'ai fait. Nous venons créer une situation de promotion
de personnes au lieu de consolidation d'organisation. Jusqu'à présent, des partis politiques, même tant que KID, qu'il a depuis 33 ans, c'est embryonnouillé. Parce que la société est tellement faible, nous pas arriver à jouer une branche ou bien coller une branche ensemble pour nous avoir une force politique qui fait formation idéologique pays et qui t'a servi de réservoir pour l'État. Et m'a dit encore, dans Télé Guinée, dans Bati Haïti, tout autant que parti politique est faible, Jean Yoya, pas bien l'État qui est fort. Parce que pouvoir politique là, l'État, force li, doit chita sous compétition entre partis politiques. Pas entre individus qui font politique, non. Des partis politiques, c'est porteurs de pensée, qui c'est des bâtisseurs, qui c'est visionnaires de gens ou pays, gens d'avant les pays, pour génération qui vivent, pour l'autre monde qui vivent après, qui fait, là, on a parlé de bâti Haïti, nous parler d'éducation, oui, nous avons formé le monde pour qui pays. Mais fondamentalement, nous avons besoin de former des citoyens. Avant, les médecins sont citoyens. Sous ces médecins, ou pas citoyens, ou un mauvais médecin. Ou journalistes, ou pas citoyens, ou un mauvais journaliste. C'est ça qu'il faut quand il y a des journalistes qui montent. Il n'y a pas besoin de vérifier une nouvelle, l'année que la nouvelle. Ça, moi, je suis dans la radio Guinée, tout le monde dit qu'il n'y a pas de nouvelle. C'est pas lui va une nouvelle. One set là. Nous va fabriquer nouvelle. Nous va faire nouvelle. C'est pas nous va nous. Moi mais slogan ça. Parce que c'est ça qui radio télévision, c'est témoin lié. C'est informer l'informer moun, yo li former au tout. Selon Jean Bay nouvelle, là, qu'a former moun. Mon pas cap conduire mon aller ou ba une nouvelle sans pas et vérifier li ou dit gen couvre-feu. Bon moun qui la gon fake news. Il a un track sur internet là, il dit qu'il y a un couvre-feu ou courir à le dire parce que les moun yo besoin qu'on dise nouvelle la vraie. Yo pral garder tant de radio Guinée et puis journaliste radio Guinée sans pas vérifier si c'est vrai la gueule et vous contrarier un bon monde va faire mon dormir en rage, va faire mon dormir dans hôtel, va faire mon dormir dans machine parce que vous pas venir en contravention avec la police dans la rue. C'est implication mauvaise nouvelle. Alors un bon citoyen c'est les capables de venir un bon docteur, les un bon ingénieur, les un bon mécanicien, mais faut d'abord et un bon citoyen. Et c'est avec bon citoyen nous qu'a fait bon pays. Kounia n'a pas accusé constitution. Les mêmes gens, bon, regarde, font toujours nous monde pour accuser. N'a pas de diable un tel pas un bon. Alors que Kounia a un problème de système qui pose. On allait à constitution, on a connaissance par où, on a expérience par où, parce qu'on connaît. Même le coup pas de participer dans le premier mouvement et élection que tu as sorti dans la constitution 87 là. Mais premier gouvernement qui montait, première élection faite démocratiquement, où tu es la donne, où élu la donne tout, et en même temps tu as la base. Qui le. On a les pipi bien encore, mariage, l'armée avec peuple, mais qui le en dans la constitution que l'autorité de l'État vient faiblir. Qu'il ait tapé du autorité, non seulement vous faire respecter contrat ça, qui c'est constitution. Ouais, l'autorité c'est un li symbolique. Et d'aller me expliquer, l'homme de Timon va faire vacances, Balan dans la plaine du Nord, et puis me dire qu'on voyait un adjoint de section. Grand pile monde là qui mon en dehors. Tant que moi, qui a regardé, même si je fais Port-au-Prince, et qui connaît ça, ça veut dire l'autre monde qui est dans l'âge, moi, ça veut dire un chef section. Un chef section, il connaît le chef section, mais il démontre avec amoirie. C'est un symbole de l'autorité. Il y a une image moins vive personnellement qui montre mon autorité dégradée. C'est ça qui arrivait le capitaine Mario André Sol. Capitaine Mario André Sol, lycée chef et unité de sécurité de l'aéroport. Le 7 octobre 1991, le président Carlos Andrés Pérez invitait moi en qualité de leader politique,
m'étais un dirigeant FNCD, bon côté M. Victor Hude, Benoît et de Tuneb Delpé. Ils ont invité une délégation, m'étais maire de Port-au-Prince à l'époque, pour aller non rencontre avec le président Aristide au Venezuela. T'es un Mac Bazin, t'es un René Théodore, Victor Benoît, Serge Gilles, nous t'es 4 ou 5. Et puis, les mouis venaient à l'aéroport, des soldats partis à bord, partis pour moi. Et je ça me passe un mauvais moment. C'est un jour plus terrible dans la vie. Mais le capitaine André Sol, qui est venu pour protéger moi, avec trois V à sous épaule, costume militaire à sous lui, mon soldat ballon gagan. Mon soldat, mon l'armée, c'est le respect de la hiérarchie. Joue moi ça, me dit bon l'État crasse. Par l'État encore. Ça c'est yon. Je suis cité un pilote. Quand, après le coup d'État du général soldat, Avril, soldat. Contre le général et Nanfi, il y a marré officier. Il y a marré un officier qui était un colonel Abélard, qui était le commandant du corps de Léopard pour venir la guerre quartier général. Quand ils ont créé un fameux sergent de l'état-major, le sergent Hébreu. Sergent Hébreu, c'est-à-dire difficulté officier au terrain, c'est dans le protocole là, les plus hauts salles du général Avril, puis le sergent sous côté. Ça, c'est ça pour nous, on connaît. Dans le protocole militaire, ou pas saluer toile. Alors, saluer toile là, je l'ai dit, l'homme, on l'y gagne. V, galon. Depuis le bagage fait, c'est galon lié en caporal, caporal, sergent, premier sergent, etc., sergent-major, ou pas d'où la salutation. Et pas besoin d'où, si sont officiers. Officiers qui commencent à partir d'adjudant jusqu'à général. Les panans saluent toile là du tout. Voilà que, dans la crise de l'État, dans la question de créer bagay pour nous créer pouvoir, c'est des pouvoirs, on dit j'en dégraine gauche, plus que tu as un soldat qui font un mouvement pour créer un pouvoir, au dernier moment, ils ont récupéré le général Avril, ils ont fait le chef par rapport à l'expérience, les notoriétés qu'ils gagné dans l'armée, etc. Ils ont quitté ces gens-là tout, comme représentants soldats. Mais l'armée sont tous liés. L'armée est une institution. Comment pour un sergent représenter soldats? Et général là, qu'est-ce qu'il représente? Le général est le chef de toute l'armée. Il n'est pas chef officier, c'est chef soldat à tout. Depuis qu'il est tombé dans la dérive, ça, qui fait long officier vini, il y a une difficulté pour le saluer, général là, qui était président. Sergent, s'il le salue, parce que sergent doit tout officier. Salutations. Tout amalgame ça est au vin fait que l'État a vu une perte de prestige. Lui, je dis, ah, après mon manqué président des gars, ou manqué ministre des cas, manqué magistrat, manqué kazek. En pile fois, il y a des gens qui délégué, vice-délégué, ou bien kazek, azek. Et n'en caché, oui. Donc ça dit que l'autorité de l'État a commencé à caser depuis là. Depuis. Là n'a pas l'autorité militaire. Et lorsque qu'on y a la constitution lui-même. On ne va pas aller au général Nafik te dit, constitution c'est papier, et bah honnête, c'est fait. Il y a deux depuis longtemps. Et civil là, qu'on y a là, autorité civile là. Comment d'avler si autorité militaire est écrasée là, autorité civile là. L'homme prend par exemple promotion pour là, on prend président ici, qui c'est premier président constitutionnel qui se tient dans la constitution. Sans doute. Et face à la médaille, qui c'est civil. Ou même tout qui était magistrat à Port-au-Prince. Il y a plusieurs problèmes. Il y a un problème d'élégance dans la question. Problème d'élégance. Le jeu d'autorité a le fait d'abord respect de l'autorité, le basé sur le respect de la fonction. Ce n'est pas mon nom ou respecter, non. C'est chai pouvoir mon napoté. Et moun sa pouvoir gagner, c'est ou balil par délégation, directement ou indirectement. Directement leur votel, indirectement leur voton moun qui gen pouvoir metel. Par exemple, vous votez un président capable nommer ministre, ou bien président capable nommer général, général fait recrutement police et soldat, qui fait soldat en quelque sorte, c'est ou metel tout, autorité le gagner, c'est ou balil. Ou doué l'on respecte, c'est comme si on va respecter tête ou l'on pas respecter. Et c'est ça que symbole républicaine.
républicain. Eh bien, dans la question de respect autorité et protocole, par exemple, il y a eu un événement le 7 février 1991, au moment de l'installation du président Jean-Bertrand Aristide, c'est un petit bagage d'humiliation. Parce que le militaire, il y a un costume militaire sous lui, son gros bagage. D'ailleurs, ils sont gros symboles, ils sont symboles ancestral, ils sont descendants de Saline, on prend le militaire, et vous devez le respecter. C'est sûr que, au nom de la démocratie, militaire n'a pas joué rôle politique directement, il a fait différence entre pouvoir civil et pouvoir militaire. Le pouvoir militaire se soumet au civil parce que la société a vu moderniser au bas chaque monde rôle. Mais ça ne veut pas dire civil là pour humilier militaire à tout. Et me songe, le président Aristide a fait discours d'investiture. Il a demandé certains généraux qui étaient là à partir de nous mettre pour un petit campo. C'est comme s'il dit, à partir du jour de nous pas chef encore. C'est extrêmement dur pour évoquer un monde dans une cérémonie officielle avec tout costume ni sous lui. Tout ça pral dégrader symbole militaire. Parce que l'autre petit soldat qui est arrivé, général li a pu traiter le comme ça, eh bien, il vient sentir lui-même tout. Il n'y a rien. Qui fait une bande de bagailles qui passe dans le comportement. Non? Que cette question fait coup d'état à tout, à l'arrêté président. Parce que le respect des symboles sont des choses qui sont fondamentales dans le prestige sociétaire. Qui fait que nous ne respectons pas les symboles ou traiter le président Jovenel Moïse n'importe qui. Demain, leur président, on va le payer conséquences dans tout. Qui fait il faut faire la distinction entre la personne du citoyen Jovenel Moïse et la fonction du président de la République assumée ou bien assuré par le citoyen Jovenel Moïse. Alors, crise d'autorité, l'hyperalion n'a conséquence grave crise de société dans vivre là. On prend constitution et parlement, on y a là. Constitution 87 là, avec parlement, qui nous trouvons ça qui a passé, je veux dire. J'en même au niveau de la population, j'ai décrié parlementaire. Honorable, c'est comme si. Bah, je dis moi-même, mais nous tous connaissons ça, je l'ai dit. Donc, c'est dit que ouais, j'ai parlé de députés, j'ai parlé de sénateurs dans la crise là. Qui sa constitution hein? Est-ce que c'est constitution? Mettez-nous tous dans ça ou bien non. C'est respect nous pas fait à la constitution. Évaluez le bon. Constitution n'a pas rien pour le avec question comportement autorité. Sous mon machine, ou pour machine nan, tout neuf, ou conduit le mal, ou faire mauvais coup de volant, ou entrer mauvais vitesse, ou craser moteur, ou craser transmission, c'est mauvais chauffeur. C'est la machine n'est pas bon. Il y a des mauvais comportements, des mauvais réflexes, et puis il y a des contradictions dans la société à tout. Il y a des problèmes de lutte de classe tout, dans le bagage là. Parce que grand pile fois, nous entendons des gens qui disent, grand monde n'a pas de jeunes passés. Moi, je dis, allez dans le Parlement, allez garder moyenne l'âge, monde qui député et sénateur. Allez garder moyenne l'âge, monde qui kazek, monde qui azek. Nous sommes une société dynamique. Nous ne pouvons pas avoir une bataille génération, qui est-ce qui est plus grand, qui est-ce qui est plus petit, qui est-ce qui est plus jeune. Un pays survive à travers des générations, nous faisons pour nos dynamiques intergénérationnelles. Pas nos questions de génération, ça a été bon. Il faut chaque monde faire mon saut. La société, la vie, c'est une course à relais. Ça fait mon saut. Seulement, il faut nos dynamiques pour assurer, nous ne font pas en avant. Le problème du Parlement haïtien, par l'autre bagaille que crise de société. Société a baillé qualité parlementaire, nous gagnons. Et yo comme ça, malgré eux-mêmes. Quelle année vous formez? Il y a seulement quelques graines qui pas formé, qui peut être l'exception. Mais le corps en général, pour un nom imbogli, il y a confusion, etc. D'ailleurs, la confusion de gens qui ont établi fonctionnement sociétaire. Pour qui ça nous oblige suivre le modèle français pour nous gagner
deux espaces du Parlement qui ont fait mon bagaille. Ou on va dire deux chambres. Fait, très souvent, on dit qu'il y a deux chambres, il n'y a pas de deux chambres. Il y a la Chambre des députés, il y a le Sénat de la République. Très souvent, on dit deux chambres, il n'y a pas de deux chambres. Mais, dans la correction, on va le faire de constitution. Il faut suspendre une question pour nous faire duplicata. Même si nous comprenons, oui. C'était si tu as une erreur qui était faite, ou une chance pour corriger. Mais si on assemble, mes amis, de 117 députés qui votent en bagaille, il y a assez de monde qui vous a veillé pour pas qu'on dérive, pour que ça pour l'autre assemblée qui pourra le corriger. Nous baillons plusieurs assemblées font le même travail. Moi-même, moi partisan, que nous avons gagné un parlement unicaméral. Dans un sens que nous avons une chambre des députés qui est dynamique. Et nous avons un Sénat de la République qui joue le rôle de conseil constitutionnel. C'est-à-dire, le Sénat n'a pas gagné pour le vérifier, pour le révoter même loi. Chambre des députés a fait une votée pour nous faire aller vini, perdre du temps. Mais le Sénat a gagné pour le garder, est-ce que loi constitutionnelle, s'il répond aux exigences de la Constitution, ou bien le Sénat a gagné pour l'intervenir, les gagné un conflit entre la présidence ou bien entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, et là, ça ne va pas prendre le Sénat, ça va prendre le Conseil constitutionnel, qui a gagné pour veiller sur l'application constitution globalement. Et il faut avoir des gens vraiment qui, au-dessus de tout soupçon, des gens très responsables, des gens sages, des gens qui connus pour leur sens de responsabilité. Il faut que ce ne soit pas des gens qui viennent faire un job. Moi, même pas la même souhaiter, ce n'est pas l'élection au fait. Parce que l'élection, il y a émotion là-dedans. Il y a des fois, il y a voté un monde, il y a voté là avec émotion, parce qu'ils font un bel discours, parce qu'ils ont un corps pour le bail. Ce n'est pas forcément meilleur monde qui gagne l'élection. Nous sommes capables de sélectionner des mondes, nous faisons une formule, nous sélectionner les meilleurs. Conseil constitutionnel, il faut que ce soit des personnes à viser tout, qui comptent ça, ils vont le faire. Moi, partisans que nous retirer conflit, nous retirer confusion, nous retirer duplicata pour nous alléger le système de fonctionnement pays et pour rendre nous avancer plus vite, pour nous faire plus de progrès dans moins de temps. Bon, on y a d'abord, nous quitter tout ça, ça, ça nous a dit, nous avons souhaité que tu aies fait. Bon, on entre avec le Premier ministre, hein, Evans Paul, Premier ministre, qui est chef du gouvernement, qui est là. Dans un moment bien déterminé, pour te, non seulement pour te faire respecter, mais en même temps pour te bailler service. Parlez-nous de l'expérience. C'est une expérience compliquée. M'apprendre marcher sous corde, sous un pied. C'est ça l'exercice là. C'est le jeu de l'équilibre. Nous avons un laps de temps pour contribuer à pacifier le pays. Première attitude là, ce n'est pas pour un projet chef. Pas un monde qui peut te dire que tu es pour un projet chef. Pas un monde te dit arrêter parce que je ne suis pas d'accord avec eux, parce que tu as attaqué le gouvernement. Pas de bagaille comme ça. Premier ça me fait, c'est chercher une troquette, chercher un bouquet de l'eau, et puis vider de l'eau. Vider de l'eau à gauche, vider de l'eau à droite. La police là, chaque légon manifestation, moi le chef de la police là dans CSPN, me dit s'il vous plaît, faites fort. Pour pas gagner coup de macaque. Pour pas gagner balle. Mais en même temps, tout, dans l'attitude, moi, comme responsable gouvernement, je ne vais pas chauffer du fait. Je ne vais pas faire discours, dire parole pour énerver le peuple. Après ça, me dit la police, elle mettait l'ordre. Je ne vais pas mettre la police en danger non plus. Parce que pacifier pays sont questions d'attitude. Il faut aller au-delà des événements. Il faut anticiper. Parce que son pays en crise. Nous avons une mission, un président, formé Delphine Fernand Dali, parce que nous pour la stabilité politique. Et nous avons une mission tout pour aider le pays à sortir dans le vide constitutionnel, pas de gagner autorité légitime. Nous dérivé dans un petit bout de temps. Fait que le Parlement, 50e nan qui là, c'est grâce à l'élection, nous t'es fait dans difficulté, mais que t'es fait quand même. Et là, il y a un monde qui vous dit, nous t'es fait une élection
pour me essayer tirer bas à la bord côté pas me gain parti politique point kid tout cas dans l'élection et des monde dans parti jusqu'à présent fâché avec moi yo fâché parce que yo perdu parce que yo fait aucun compte yo fait aucun compte vrai même des dit m'pas rentrer dans bagaille ça m'pas rentrer dans défendre partisan monde parti d'ailleurs l'aime premier ministre pas mon parti parce que le premier ministre est au-dessus des partis quel sentiment l'aime te voter me voter pour monde moins vrai et vote là secret m'pas besoin dit monde pour qui est-ce m'te voter. Cependant, moi j'ai transcendé. Le citoyen Evans Paul a une position, conviction, choix. Mais le premier ministre était là pour servir le pays et tous les Haïtiens. Que le terrain aimait Michel Martelly, que le patron aimait Michel Martelly, Evans Paul n'a pas de problème avec lui. Et je n'ai pas parlé à tout le monde. Porte primature, porte résidence officielle là. T'es l'ouvrir à toute l'heure pour me recevoir toute qualité monde, pour m'entendre toute doléance. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés avec attitude, nous, avec effort de parler avec monde, de vider de l'eau côté du feu, v'le prendre, nous t'es contribué à apaiser la situation, avec tout. Sous quelques décisions qu'a prendre le gouvernement tout, parce que le gouvernement, ce n'est pas le premier ministre seulement qui mène. Il y a des fois qu'on doit combattre qui sortit dans le ministère, on délégué. Bon, si un magistrat fait un bagaille, nous connaissons mairie autonome, mais quand même, le premier ministre a toujours, sans le papa pour le chef, nous les magistrats dit, ah, décision, ça n'a pas de problème. Oui. On essaye de faire une affaire tel genre. Qui fait la communication d'abord interne. Entre les autorités, la police, ministre, président, par exemple, moi, ma président Martelly, pas toujours d'accord. Non, nous pas toujours d'accord. On veut des mondes différents. On va faire campagne pour lui, on va faire un parti politique avec lui. Son opposant de. Mais là, nous composer pour nous faire l'État marcher au niveau du pouvoir exécutif, moi, qu'on ait deux voix, moi, c'est entendre ma président, qui fait différence qui gagne entre nous. Là, pour être dans la chambre, pour être dans la discuter, elle va nous dehors. Et c'était tout un effort. Il y a des fois, nous avons fait 3 jours, nous avons discuté une seule question. Nous sommes beaucoup d'accord. Et à chaque fois, je me dis que nous ne pouvons pas entendre nous, non. Je dis que nous pouvons entendre. Bon, président, bon, nous pouvons entendre nous aujourd'hui, on va voir la séance là pour demain. Mais, forme d'auto, et. Je profite de ça, le président Martelly, il a fait preuve d'ouverture d'esprit. Vous comprenez? Il y a des décisions, je comprends. Il n'est pas d'accord avec la décision. Par exemple, la décision d'annuler le carnaval 3e jour en 2015, première fois, je me dis, président Martelly, n'a pas annulé le 3e jour. Moi-même, le carnaval, où tu as vu là, mettre au premier ministre, voilà, annuler le carnaval. Je me dis, ça capé, mon cher. Je dis, président, voilà, j'ai annulé lui. mais de collaboration madame ni tout le monde nous discutait et puis finalement nous le carnaval là pas qu'à fête c'est une question même pas dans la radio tout elle dit me dit président vendredi carnaval là moi même si pas s'il pas d'accord m'a bail démission pas besoin de confrontation c'est la solution et solution elle mandé patience elle mandé sagesse elle mandé abnégation, parce que la responsabilité, c'est pas pour me gagner raison sous président Martelly, mais pour me gagner raison sous moi. La responsabilité, c'est que faut négocier avec lui, faut nous composer pour nous joindre route pour nous porter solution qui est bon pour la collectivité. En tant que premier ministre, sous l'égide constitution 87 là, qui obstacle pour te joindre là-dedans? Constitution a un pile problème là-dedans. Mais, pas de dire un obstacle, non. Parce que, bon, bagaille pour qu'on ait. Moi, pas de voter constitution, même soumettre ma constitution. Non. Au lendemain que le final adopté, nous avons fait déclaration dans le kit, nous disons même nous avons désaccord à la constitution. Même pas en face constitution pays, nous. Son patriote, moi, son haïtien, moi, son démocrate, moi, pour une constitution dans le pays, moi, me dit, comment je compte lui? Je ne compte pas lui.
Je pas d'accord à certains bagailles là-dedans, même j'aime garder des accords à maman, ma papa, ma frère, ma soeur. Sous en question. Mais ils toujours été maman, ma papa, ma frère, ma soeur. Ou quand on des accords à madame, sous en question. Mais ils toujours été madame. Alors, en quelque sorte, t'es un obstacle ou bien des obstacles. Même t'es qu'on est, nous vivons avec eux. Par exemple, le poste de Premier ministre créé à partir de la Constitution de 1987. Il y a une loi organique de certains ministères régaliens, tel le ministère des Finances, qui est antérieur à la Constitution. Ça. Très souvent, il y a un ministre qui fait, le Premier ministre pas connaît. Mais il faut vivre avec lui. Tant que je conflit, vous me dites, ministre, tel te fait bagaille. Je dis ça dans la radio. Nous rangez parce que son situation, ce n'est pas pour le chef là qu'il faut avancer. C'est comment on a accommodé nous pour nous créer un leadership plus ou moins harmonieux qui a mis la population en confiance. Les autorités, plus à regarder qui est-ce qui peut chef passer l'autre. Et puis, dans fait combat de chef là, ils viennent privilégier bataille entre eux que entente nécessaire pour répondre à obligation gain pour servir pays pour servir peuple là. Et il y a un élément dans la crise là, c'est ça. Orgueil, orgueil d'autorité. Orgueil d'opposant. Orgueil du pouvoir. Qui sont qu'a dit monde qui journée aujourd'hui qui travaille dans question amender constitution hein? Ou bien tout qu'a parlé de rôle premier ministre. Et qui a demandé, alors par rapport à l'exigence que le Parlement a mettée, parce que le Premier ministre est sous contrôle oui. Du Parlement. Donc, avec qui t'a demandé, au lieu pour t'a remplacer le Premier ministre pour un vice-président, qui pour aller à l'élection ensemble avec le président, qui pour le capoter, n'a pas dit programme président et tout rêve président. Moi-même, moi d'accord avec Georges Michel. On me dit, ma parole, pas moi. Il dit qu'il faut quitter le poste Premier ministre. Là. Il y a une hésitation avant. Et je vais le dire pour qui ça. C'est deux fonctions différentes. Le président est chef de l'État. L'État a trois pouvoirs. Il y a un pouvoir exécutif, là, il y a un pouvoir législatif là, et il y a un pouvoir judiciaire. Dans la Constitution, nous allons le faire. Il faut nous définir ça que chef l'État l'exercer rôle chef l'État sous trois pouvoirs. Parce qu'il y a une différence entre l'État qui est composé de trois pouvoirs. Ça c'est vraiment. Le Premier ministre est chef du gouvernement, chef du pouvoir exécutif. Le président de la République, par rapport à la responsabilité, il y a une campagne qui fait, il a un regard spécial, direct sur le pouvoir exécutif, qui c'est normal. Parce que comme ces pouvoirs exécutifs là, cap manœuvrer, cap exécuter, cap faire suivi toute décision, toute dynamique pour faire pays avancer, c'est ça qui expliquait dans la Constitution hein, que le président de la République là, les co-signer toute décision de nomination de ministre, de premier ministre, de directeur général, et en même temps les présider le Conseil des ministres là. Les antigens à cheval, et je suis d'accord avec ça, ils ont un regard direct sur le fonctionnement du pouvoir exécutif, en même temps qu'il est chef de l'État, et il faut que nous définissions comment l'exercer pouvoir chef de l'État sous l'autre pouvoir l'État, sous l'autre pouvoir et exécutif et pouvoir judiciaire. Pouvoir judiciaire, pouvoir législatif. Au niveau du pouvoir. Et exécutif, le Premier ministre agit par délégation du président de la République. C'est-à-dire que le président de la République, là, comme il est au-dessus de la mêlée, il y a un Premier ministre qui a la mission pour assurer le fonctionnement du pouvoir exécutif. Alors, en ce sens, que le Premier ministre, là, il sait d'abord, il agit par délégation du président de la République qui n'a pas gagné tant qui peut-être prend des distances, qui sont habites
dans Jean pouvoir exécutif là a marché parce que li ka prend rapport ka orienter décision au niveau de Jean la présider conseil des ministres là. Mais en même temps le premier ministre li son chef d'orchestre au niveau du pouvoir exécutif qui protège président tout qui ballon ti recul qui fait président dernier recul ka vini. Par exemple l'une des erreurs de mon ami le président Jovenel Moïse c'est parce que gagne fallait trop devant scène là. C'est pour quitter premier ministre fait job li et puis au connait football gain libéro gain stopper. Ouais. Premier ministre c'est stopper. Qui fait l'air yo dribler stopper libéro a croisé bah comme ça li li son où il pour les poser. Ça veut dire que l'homme nous pas de faute constitution pas dit il pas bon. Dit que côté là-dedans il manquait cohésion faut nous corriger. Mais il y a pile bon bagaille là-dedans dont aspect me signalé là. N'a pas aller en résumé amender constitution pour une deuxième voie alors parce que pour un premier amendement t'es fait ou bien changer constitution qui sont qu'a dit dans moment n'a parlé là non en tant ancien premier ministre et en tant tout conseiller et qui fondateur tout au politique quand même pour ça qui est difficile moi coré travail député Tardieu qui dit amendement. En même temps, je reconnais moi dans plaidoyer madame Maniga qui pour une nouvelle constitution et dans plaidoyer professeur Moufeuille de Valla qui mandait une constitution en dehors du parlement. Pensez que nous besoin une nouvelle constitution. Cependant, faut faire attention pour ne pas faire dans exclusion. Alors, grand pile respect pour professeur Dorval. Il dit en dehors du parlement, me comprendre ça veut dire. Ça veut dire en dehors de la procédure parlementaire telle que tracée par la Constitution. Parce que c'est compliqué. L'on doit faire amendement. C'est deux législatures qui peuvent faire dans les mêmes termes. C'est-à-dire que faut gagner une législature, vous prenez à 50e nan, pour aller proposer un amendement. C'est 51e nan qui pour ratifier amendement. Si il y a un changement et dans les mêmes termes, c'est compliqué. Ça veut dire question amendement compliqué. Et c'est là que je comprends, professeur Monfigué d'Oval. En dehors du Parlement, ça ne veut pas dire Parlement pas la dedans. Parce que nous avons un mécanisme. Parce que nous ne pouvons pas dire Parlement pas la dedans. Parlement par rapport à Wally, fait la loi de ses représentants peuple là. Il faut avoir un mécanisme pour mettre le Parlement là dedans sans que nous ne soyons prisonniers de procédures. Constitution en tracé sous Jean Parlement capable de faire amendement. C'est seul petit nuance que je peux dans souhait professeur Moufeuille d'Oval là pour me dire que je suis d'accord avec lui, même pour te nuance ça. Et je pense que ça le devait dire tout. Ok, on garde un article là-dedans qui est son cadenas, qui cadenas c'est Constitution, article 284-3, qui fait qu'on est toute consultation populaire tendant à modifier la Constitution par voie de référendum est formellement interdit. Eh bien, parce que nous avons un réflexe anti-dictatorial. C'est-à-dire qu'on en a subconscient, nous, il faut nous veiller pour ne pas avoir l'autre dictateur qui vient encore. Parce que, autant qu'il y a un président qui vient là, chaque besoin fait une constitution sur mesure, ils font un référendum, ils lâchent quelques mille piastres dans la rue, ils baillent ta fia. Li bay bouillon, li met tambour, et puis constitution change. C'est pour ne pas arriver dans dérive ça, qui fait nous adopter une procédure qui dit que c'est deux législatures. Il n'y a pas même fait une seule législature, non, une législature qui proposait amendement pour une autre législature vienne adopter. Ce qui est difficile, parce que tu as gagné, par exemple, une majorité qui soutient nos partis politiques. Majorité qui peut venir après à son autre parti politique, il y a adversaire. Bah là pas passé. Ça veut dire procédure difficile en même temps tout. Réflexion que tu as fait dans telle assemblée, ou pas demander mon assemblée te font réflexion, moi venir pour m'en gratifier li, sans pas un mot pas me dire. L'amendement est difficile. Moi pense que qu'il faut trouver un mécanisme consensuel. Entre la proposition d'amendement du député Tardieu, même s'il est l'amendement, mais il a servi pour une nouvelle constitution. Entre le plaidoyer de Mme Maniga pour une nouvelle constitution, la position du professeur Moufeuille d'Oval qui dit qu'il faut trouver
il faut faire une nouvelle constitution en dehors du Parlement, se péter nuance l'entale. Oui. Et la position de Georges Michel, qui est un constituant, qui sont monde très appliqué, un historien, qui lui-même pas voulu y manier poste premier ministre là, pour ne pas tomber dans le même système président sans limite là. Parce que système présidentialiste là, tout, si nous avons changé le genre, c'est parce que te répondre à un besoin de modernisation sociétaire et surtout à un souci de protéger le président. Mais c'est post-premier ministre là, il ne faut pas avoir une dynamique de conflit entre président et premier ministre, mais nous une volonté de renforcer l'exécutif pour protéger le président. La police et l'armée. C'est deux missions différentes. Deux missions différentes. La police, c'est pour garantir l'ordre public. L'armée, c'est pour protéger le territoire. L'armée, c'est pour défendre les citoyens. L'armée, c'est pour renforcer la police tout, les dépasser par les événements. Alors, où besoin et la police et l'armée, parce que pas aucune société qui marchait sans force publique. D'ailleurs, toute décision à prendre dans la Constitution, dans la loi, si vous n'avez pas de force qui peut appliquer là, il n'y a pas de rien. Alors pour moi-même, nous avons besoin et la police, nous avons besoin et l'armée. Je connais des gens qui ont préjugé, qui ont dit que l'armée écrase les autres. Ça, c'est l'histoire. Pas que l'armée écrase les autres encore. Mais nous avons besoin de l'armée républicaine qui prend au service du pays, au service des citoyens, pour garantir la stabilité politique du pays, pour protéger l'environnement du pays. Et nous avons besoin de police, il faut nous féliciter les policiers qui ont un pile chai sous doyo, qui pour garantir l'ordre public, qui pour garantir la sécurité, la vie avec bien monde, Jean-Pierre NH a fait malgré toutes limitations qu'il a eu sur le plan matériel, sur le plan salaire et sur le plan des moyens. Nous ne pouvons pas faire une édition jeudi, tout sans barre dans un mot, un conseil ou bien qui sont à dire, et population qui venait jeudi à là, nous avons une crise BIA. Alors, le mot crise, je ne sais pas, mais employez-le parce que est-ce que nous avons une crise, oui, ou bien si pas nous créer li. C'est une question de dialogue, une question de chita parler, pays d'Haïti, qui conseille, ou un acteur, comme, ou toujours acteur, mais comme étant acteur qui prend recul. Alors, qui est en réserve de la République? Non, pas en réserve de la République. Je suis au service de la République. Au service de la République. C'est une différence. Belle précision. Parce que là, on dit qu'il est en réserve de la République. C'est comme si Ndado il réservait tête pour un poste. Moi, je pense que c'est ma... Oh, non. Ça, c'est le début au monde dit la réserve de la République. Ça veut dire que l'ICR école pour sélection nationale, là. Il faut avoir une équipe là d'abord. L'ICR école pour le président, pour le ministre, pour le premier ministre. Non, je suis citoyen d'abord. Et je suis au service de la République. Et pour moi-même, dialogue là, dynamique. Nous n'avons pas besoin de monde étranger pour nous faire dialogue. Système démocratique, là, même ça, dialogue, marché. Le dialogue est permanent. Que c'est, ça n'a pas dit radio là, ça n'a pas fait dans la télévision, dans la radio. C'est dialogue lié. Que c'est les lois votées dans le Parlement, c'est dialogue. Que c'est. Discussion gagne, rivalité gagne entre président et opposition. C'est dialogue. Dialogue là, c'est civilité, c'est la civilisation. Faut que nous dialoguer. Et nous dialoguer justement parce que nous ne sommes pas d'accord. Même chaque fois que nous disons, je ne peux pas parler à un tel parce que je ne suis pas d'accord avec elle. Moi, parce qu'on ne pas d'accord avec elle. Même qui fait faut dialoguer. Bon, on nous entend dire que faut, pour dialoguer, au monde faut aller. Moi aussi, je suis allé, je suis dialogué. Je suis allé, je n'ai pas dialogué encore. Mais ce n'est pas aller là, c'est tout, il a dit, il faut le mourir. Ouais. Quand on n'a pas dit, il faut le mourir, il faut plutôt aller. On a dialogué. Ne est-ce que c'est pour nous mettre un d'accord qui j'aimerais aller. Mais il faut dialoguer. Puisque moi, là, on ne peut pas ignorer moi. Même dans des accords, il faut dialoguer. Par exemple, comme nous pour conjoncture, dans une minute, je dis que
Mes camarades de l'opposition, parce que moi, je dis, ben, ma position de serviteur de la République, ben, ni dans l'opposition, ni dans le pouvoir. Bien, mon dans le pouvoir, je n'ai rien contre avec eux. Même quand ils ont mis dans l'opposition, tout me fait trop de temps dans l'opposition pour me donner compte à Zamik dans l'opposition. Même à constater que camarades d'opposition, ils ont fait rater une occasion, puis ils retirer bataille dans la rue, mettez-le non dimension institutionnelle. Président Jovenel Moïse invité ou. Allez la rencontre là, discuter avec lui. Toutes sortes après dit dans la manifestation là, allez dire dans le palais national là. Pourquoi pas discuter avec lui? Ou dit que c'est comme Petro Caribé ou j'ai nagé. Dit que j'ai mon cher comme Petro Caribé, mais vous pas quand même dit voler. J'ai nagé. Ou venez en parler de Petro Caribé, en parler de conférence nationale. Parce que conférence nationale là, faut Jovenel Moïse là dans tous ces citoyens haïtiens liés. Bon, son acteur politique, vous ne voulez pas appeler son président. Moi, je suis dit l'ancien président. C'est 56 personnes seulement sur 11 millions de honneurs. 58? 58, pardon. 58 personnes. Moins que 60 personnes. Qui ou pas vague sous lui. Vous comprenez? Ouais. Ça veut dire que l'inclusion, il faut suspendre à faire exclusion hein, parce que nous avons des accords. Et tout en continuant dans l'exclusion, mon l'autre bord, mon diaspora par là-dedans. Moun en dehors pas là-dedans. Bourgeois pour clé pas là-dedans. Et parlementaire ça yo pas là-dedans. Parlementaire ça yo. Et dans le pays, yon sorti. C'est le peuple là qui vote yo. Et yo nous gagne. Moun qui crée problème. Non, c'est lui qui capote solution. C'est pour nous vivre ensemble. Pour nous faire bagaille qui puis bon, bah dit pour nous continuer à vivre ensemble. Dans la misère, dans la honte, dans tout le monde. Mais il faut nous chercher comment pour nous corriger gens. N'a fait ça pas bon pour nous faire au plus bien. Faut nous finir l'édition jeudi a. Oui. Mais mon petit mot quand même faut en dire moi qui d'abord avancer moi mon femme kid. Ah mon femme kid. Mon femme kid. Bon, gagné. Mon femme kid donc nous mesdames yo son bon bagaille que gain mouvement femme kid, gain mouvement jeune kid qui a fait effort. On connaît. Société a chargé problème. Il y a des problèmes là dans le tout. Petit problème, leadership, de courant, etc. Et même dans son bon bagage, parce que la politique est une activité essentiellement conflictuelle. Sauf dans un groupe, il faut gérer conflit pour renforcer ce groupe-là, au lieu de nous faire conflit, affecter ce groupe-là négativement. Et cheval là, dans pleine forme. Cheval là, cheval là. C'est des boules manger. Tu vas gagner d'autres bagages, il va manger. Que y'a le parler, que y'a le comprendre. Ancien premier ministre, Evans Paul. Et autres, par rapport à tout ça, nous parlons de fonction. Alors, on a dit, il y a un livre qui était, si vous voulez connaître, qui est Evans Paul, Capé Paul. Qui est Evans Capé Paul. De Jean Ouveira, qui sont camarades de lutte, tout, qui étaient journalistes dans petit samedi soir, qui sont camarades de combat, qui prend bâton, prend prison, prend exil, même gens avec moi, qui sont témoins de Homoso dans l'histoire. Nous, même gens qu'on peut filo qui dans la télévision ensemble avec vous. Quand pile témoin vivant toujours. Bien content, les retracer un petit morceau dans le parcours, hein, et dans la lutte politique, dans le menin qui est extrêmement difficile. Monsieur prend pile précaution, il dit biographie non autorisée. Non autorisée, vle dit que ce n'est pas un livre que moi paye pour le faire, ni ce n'est pas un livre côté. Tout ça qui dit, je suis d'accord avec. C'est juste à nous. Nous disons merci et nous disons pour faire ça plus souvent. Et nous-mêmes nous disposer à attendre et acteurs. Parce que là, nous avons dit nous sommes live. Ce n'est pas dans le livre, ce n'est pas écrit avec lui. De situation pays à que vous faites partie de lui-même, ou vous mettez la donnée et que vous travaillez pour bâtir le monde. Et nous sommes bienvenus à chaque fois tout pour venir aider nos bâtiments dans bâtir Haïti. Merci en pile toute équipe technicien. L'objet de télévision là, c'est pas deux monde qui parle, donc une bonne batterie de techniciens qui a fait image là arriver joindre nous et son arriver joindre nous dans la radio. Merci en pile pour attention nous. 25 ans. Hein? 25 ans. 25 ans radio. Gros bagage, 25 ans radio. 3 avril, 15 ans télé. Bon moi je souhaite nous faire 25 ans plus. Alors plusieurs 25 ans. Ah bon, plusieurs 25 ans. 25 ans multiplié par 25. Au moins.
Nous même merci à tous lorsque Radio Télé Guinée tout a entré dans le pays d'Haïti. Il était passé côté magistrat pour le prince Landalo pour te annoncer que nous dans ville là. Son Guinée mieux. Merci à vous. D'accord. Amis auditeurs, amis téléspectateurs, nous très contents côté Banou Tanou et au même qui l'autre bord de l'autre, vous êtes venus sur chaîne Télé Guinée YouTube ou capable de vivre li à n'importe qui moment voyez le bazami ou amusez-vous avec nous et n'a toujours fait un pile d'effort pour nous rêver à voir, pour nous porter pour vous, acteurs, tout le monde qui a esprit positif et qui a bataille dans Bati Haïti. Merci en pile, non pas M. Jean-Lucien Borges. Merci. Voilà, et merci avec tout le monde qui est branché, pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec la chaîne, non? Et toujours songez pour activer cette cloche là. Les nous lagons une vidéo pour être capable de jouer nous, son babé à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.